Dans cette maison quelque part à la campagne, une parenthèse s'est ouverte pour trois personnalités au destin singulier. Mathilde Amet, la comédienne, devenue également dramaturge et romancière. Cyril Lignac, le chef le plus célèbre de France. Et Fabrice Santoro, le tennisman connu mondialement pour son coup droit à deux mains. C'est pas fini, non ? Trois talents, mais aussi trois guerriers de la vie, désireux de transmettre leur savoir-faire. Du beurre et du sucre, hein ? C'est pas du tout calorique, c'est ça qui est bien. Donc la bonne cuisine est forcément riche ? Bah, le gras, c'est le goût, quoi. C'est bon, hein ? Le gras, c'est le goût. Dans leur parcours, il a été question d'ambition, celle que l'on a pour soi. J'ai jamais cessé de croire que je l'aurais, cette étoile. Mais aussi celle que les autres ont pour vous. Ce qui me dérangeait, c'est que j'avais donc une pression énorme et permanente liée à leurs attentes. Mais au fond, ce que je leur ai jamais dit, c'est que moi, je ne me voyais pas les si haut. Des destins qui semblent parfois tout tracés, mais qui n'empêchent pas les sorties de route. Qu'est-ce qui se passe pour que vous disparaissiez pendant quasiment 10 ans ? Je pense que ce serait plus flatteur si je disais que c'est un choix. Mais si je suis vraiment honnête, c'est pas vraiment le cas. Des routes escarpées qui les ont tous amenés ici à se découvrir une véritable complicité. Ouais, c'est... Comme quoi, les plus belles rencontres restent celles qui sont inattendues. Mais pour l'heure, c'est une nouvelle journée qui commence. Et à cet instant précis, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Quelqu'un ? C'est vieux, ça. C'est par là. Ah, c'est bien. Côté du tout, c'est ça qui est bien. Alors, la capuche, on pose un problème. C'est bien parce que je me fais l'air toute seule. Salade de fruits, là. Voilà. Ça, c'est fait. Faites comme c'est fou.
quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Enchantée, Cyril. Enchantée. Mathilda. J'enlève mon truc. C'est, ça a été la barque ou pas? Non. Je t'ai ridiculisé en une seconde. Tu veux un thé? Oh ben, un café? Oui, je veux bien. Alors, comme j'attendais que j'avais rien à faire, j'ai fait des salades d'orange. Ah, bah oui. Oh, trop bien. Tu veux quoi? Je veux bien un thé, ouais. J'avais fait, je sais pas s'il est chaud. Donc, j'en conclus qu'on va bien manger, c'est chouette. Ça, déjà, ça, j'espère. Un bon postulat de base. Et alors, je peux manger ça ou pas? Ouais. C'est des oranges que j'ai. T'as mis quelque chose de spécial? Oui. Nature. Sobre. C'est ça aussi d'être un grand chef, c'est de te dire là, non, rien, quoi. Juste, ben parce que j'attendais depuis un moment, je me suis dit, il n'y a personne. Et du coup, j'ai vu des oranges. Si là, j'ai vu des oranges, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite salade d'oranges. C'est bien. Sans sucre, nature, elles sont bien mûres en plus. Excellente. Mais qui sont bêtes ces sportifs. Aïe aïe aïe. En faisant ça, je vais améliorer l'image des sportifs. Alors, non mais c'est top. Alors, ah. Je vois pas qui c'est. Alors, qui arrive? Oh! Bonjour! Ah non, c'est pas vrai! Oh là là! Salut! Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux même pas tirer la main, j'ai les mains toutes sales. Ça va? Ça va bien? Ouais, ah, toi? T'es dégueulasse! Salut. Ça va bien? Nous, on se connaît. Je suis le bon dernier. Ouais. On t'attendait. Ah, on t'attendait alors? Moi, j'attends depuis un moment, j'ai fait une salade d'orange. Tiens, ça va te mettre en forme. Des fruits, des vitamines? Voilà. D'accord, je vais me mettre à l'aise. Moi, j'aimerais bien manger, non? Je vais te faire des œufs au comté. C'est vrai? Bah, bah, bah. Ah, bah, 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 bah. Ça fait plaisir pour commencer ce week-end de te faire des œufs au plat. Trop sympa. Comme le casse-l'œuf. C'est-à-dire que déjà, moi, il y a deux, trois petits morts, des coquilles. Tu pourrais t'aimer le poivre? Tu n'aimes pas le poivre? J'aime tout. Alors voilà, sache dès maintenant qu'il n'y a rien que je n'aime pas. Dès maintenant. C'est un peu mon problème, hein, si tu veux. Sucré, salé? Tout. Tout. Tout, tout. Voilà, nickel. Je remercie, t'en veux? Non, vas-y, tu vas te régaler. Je mange toute seule, vous me regardez manger? Oui. Et si on allait manger dehors? Ah. Voilà. Papa, il est là. Hop là. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est
C'est top d'être là. On est pas bien là? On est bien, on est bien. C'est top d'avoir une maison comme c'est ça. C'est top. Non? Ouais. T'as des enfants toi? Moi j'ai une fille qui a 11 ans et demi. Et toi? Moi deux ados, deux grands. Et toi? Non. Prévu? Bientôt? pas pour l'instant. Pas en 2013? Ben non, faut que ça arrive tout de suite là, mais... Ah. Non. Voilà la star. Ne cours pas, non. Vous êtes déjà en train de manger? Bah oui. Je crevais de faim, moi. Je vous ai amené du pain, alors, pour ah, les trop yeux. Sympa. Bonjour. Salut. Ça fait plaisir. Ça va? Ça va, vous êtes bien installé? Ça y est. Bah oui. Bien. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, ça va bien? Bah oui, ça me fait plaisir. Allez-y, installez-vous. Finissez votre œuf. Moi, je me suis mise là parce que... Ah là là. On est à l'abri ou... Attendez. On est à peu près à l'abri. Alors, il faut reculer un peu, là. C'est con, il pleuvait pas du tout. Hein? Il pleuvait pas du tout. Oh là là. Non, ah oui, bravo. Bougez. On va se mettre à l'abri, ça pleut. Je m'en fous, moi, je mange. Je n'ai rien à faire. Mais non, mais là, on n'est pas sous l'eau. Venez là. Bon, on est bien, non? Ah, on est bien. Donc avant que tu arrives, on disait que c'était très sympa, la campagne. Non, parce qu'en fait, ça vous arrive souvent de regarder la pluie tomber? Pas si fréquemment. Hein? Pas assez. C'est qu'on fait pas assez. Non. Ni l'entendre. Bon, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous recevoir, de passer 24 heures avec vous. J'ai l'impression que vous vous connaissez. Cyril, non. Mais j'ai l'impression de le connaître à travers ce qu'il fait, quoi. Je sais d'emblée, en plus il a une tête. Une tête de quoi? Une tête de sympa, quoi. Ça se voit tout de suite. C'est vrai que vous avez l'air sympa à la télé. Et on se demande si vous êtes sympa en vrai. Oh ouais. C'est un grand débat, ça. Il est raccord, lui, je pense. Il est devenu d'abord le chef le plus célèbre de France. On va pas dire que ça a fait plaisir à tous les autres chefs, mais en tout cas, moi je peux me permettre de le dire. Ses bouquins de cuisine, on va dire que ça marche. 2 millions d'exemplaires. Ah ouais. Donc c'est dire si les gens adorent ses conseils, adorent sa personnalité. Bon, et puis on est content pour vous parce que vous faites partie de ceux qui ont été connus avant d'être reconnus par ses pairs, parce que vous avez une étoile au Michelin, et on en parlera, savoir ce que ça, qu'est-ce que ça a comme porté pour vous. D'accord. Et puis, il y a le gars qui entreprend, qui fait plein de choses, donc chaque chose pourrait suffire pour une vie. Ouais, ça c'est pas faux. Hein? Après, c'est vrai que je suis bien entouré et que j'aime entreprendre, et j'aime aussi voir... tous les talents autour de moi qui avancent avec moi et qui me permettent finalement d'être là et de discuter avec vous. Mais derrière moi, il y a des gens qui se battent bec et ongle pour me défendre sans arrêt à travers la cuisine, à travers tout ce que j'entreprends, à m'accompagner. Donc forcément, c'est vachement enrichissant. Mathilda, c'est vrai que vous êtes une comédienne, que vous le vouliez ou non, je ne sais pas comment vous le prenez, donc je le dis sans vous regarder dans les yeux, mais voilà, un sexe symbole. Et c'est vrai qu'on vous a connu très jeune, vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, avec des grands partenaires. Et même si on voyait nu à l'écran, on croit savoir que vous êtes quelqu'un de timide. Donc comment on fait pour se tourner ce genre de scène quand on est timide? Et puis à un moment donné, une parenthèse dans votre vie, la vie privée qui prime. Et puis on vous redécouvre écrivain, on vous redécouvre drôle. Et j'ai l'impression que vous-même, vous êtes découverte drôle. Vous n'étiez pas au courant? Dans le cercle intime, j'entendais toujours mes proches me dire « Mais pourquoi tu fais pas une comédie? C'est pas possible. » Et puis il y avait un fossé qui se creusait, une grosse différence entre les gens qui me connaissaient et la vision qu'ils avaient de moi et la vision que les gens du métier avaient de moi. Ce fossé s'est creusé au fil des années à tel point que je me suis dit « Bon, il va falloir que je fasse quelque chose pour rétablir une logique, en fait, que ce que je fais soit plus en phase avec ce que je suis, enfin ce que je suis devenu en tout cas. » Et j'ai œuvré pour me servir moi-même. Bon, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Puis Fabrice Santoro, Pete Sampras vous appelle le magicien à cause d'un coup droit à deux mains. Vous nous expliquerez d'où ça vient, cette histoire. Et puis, comment on vit de l'intérieur le titre de champion de tennis? Ouais. On est seul face à un adversaire, mais face à tous les gens qui commentent. C'est un combat de boxe, mais on ne se touche pas. Ouais. On ne se touche pas, mais c'est un vrai combat. C'est-à-dire qu'on suppose la pression, les espoirs des uns et des autres, les ambitions des uns des autres qui ne sont pas forcément conformes à ses propres ambitions. Aussi. Et ça va être très compliqué quand les gens attendent beaucoup de vous, alors que vous ne voulez pas du tout ce que les gens attendent. Donc pour toutes ces raisons, voilà, je suis impatient que vous nous racontiez ça dans le détail. Et puis d'habitude, je demande aux invités à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, tout le monde panique. Mais là, je sens que tout le monde est confort. Ouais. Hein?
Moi, quand j'ai vu Cyril, j'étais tout de suite très rassuré parce que j'avais peur de finir la soirée en cuisine. Et vous savez pas cuisiner ? Des choses simples. Et vous, Mathilda, si Cyril n'avait pas été là ? Je vous aurais fait une bonne soupe bien costaud. C'est juste ce qui va avec moi. Moi, j'aime bien la cuisine familiale. Tu vois, la cuisine où on reste pas sur sa faim. J'aime les patates. Les patates sous toutes ses formes, c'est-à-dire en frites, en salade, en sauté. La pomme de terre, pour moi, c'est le rêve. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on va réaliser son rêve, qui rêve de manger des pommes de terre? Parce que vous non, êtes... Non, mais... Mais quand vous êtes invité comme ça au week-end, vous sentez responsable, vous sentez obligé de faire la cuisine? Alors, quand je pars en vacances, où on part vraiment 15 jours avec des amis, on loue une maison, là, j'avoue, j'ai pas envie de cuisiner. Mais là, en week-end, j'ai vraiment envie de cuisiner. J'ai fait un œuf au plat, ça m'éclate. J'attendais, j'ai coupé des oranges. J'adore vraiment parce que je suis détendu et il y a une bonne ambiance ici. On se sent bien, quoi. On va vous servir un peu de... Comment oui, on va faire l'assistana. Oh là là, Mathilda. Toi et moi dans la cuisine, comme ça, c'était... Wow, incroyable. C'est quelque chose. Nous, on ira nettoyer la salle de bain. Mais alors, qu'est-ce qu'on va manger? On va faire un velouté de langoustine. Wow. Et après, on va faire des queues de langoustine qu'on va juste poêler. J'ai amené une bonne huile d'olive que j'adore. Et ensuite, on va faire des coquillettes. Alors, c'est vrai ? Des coquillettes avec du jambon. Et bon, on va y ajouter un peu de truffe, hein, parce que c'est la saison. Oh, j'adore. Des coquillettes au jambon, silence, ouais, avec un peu de truffe. Quand même. Et on va faire un pain perdu en dessert avec une brioche. Non ! Avec des poires et du caramel. Vous savez parler aux femmes, regardez l'état dans lequel elle est. Regardez, ne bougez plus. Non, si, je pense que je ne suis pas comme les autres filles là, sur ce truc-là. Hein. J'aime tellement manger... C'est presque inconfortant. C'est réconfortant, putain. Tu passes un bon moment là. Il pleut, on va se mettre. J'aime bien, moi, ça. Le pain perdu. Ah, mais c'est bon, pain perdu après les coquillettes. On va être bien, non? Ah, mais on ira courir. On ira courir demain matin. Est-ce que vous pouvez me passer le panier qui est là-bas? Vous pouvez me jeter des bouts de pain, s'il vous plaît. Moi, j'ai faim. À quoi il sert ce panier? Et là, ça me permet de voir à qui j'ai affaire. C'est pour mettre son téléphone portable. J'ai pas. C'est intéressant de voir la relation que vous avez avec cet objet. C'est une dépendance? Je pense que je peux... là, par exemple, je n'y pense pas du tout. D'accord. Vous, avec toutes vos activités, comment vous vivez ça? Moi, c'est obligatoire. Non, vraiment. Là, je ne l'ai pas pris parce que... Il faut savoir abandonner aussi à des moments. Mais ouais, c'est indissociable. Moi, je vis avec mon téléphone. Indissociable. Et vous, Fabrice? Totalement accro. Et là, je l'ai dans la poche. Hein. Il faut que je vous donne. Hein. Ah ouais. Il faut l'abandonner. En revanche, la vraie question, c'est qui le coupe la nuit? Moi, je le coupe la nuit. Je le mets dans une autre pièce. Je le mets dans une moi, autre je ne coupe pas. Au cas où, il faudrait corriger une recette. Non, mais c'est, ouais. C'est vrai qu'on est carrément dépendant de ce petit. J'ai oublié de vous dire que pour le dessert, il faut prévoir une cinquième part, parce qu'il y a un invité surprise qui va venir. Je ne peux pas dire qui c'est. Ah. Et on aura besoin de lui à ce moment-là. Je ne peux pas dire pourquoi. Très bien. D'accord. Donc, prévoyez une cinquième part de dessert. Moi, je pense à quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi. C'est top d'être là. On est bien, on est bien. Vous vous sentez bien là? Moi j'achète. Ça, là on se sent bien, au bord de l'eau. Alors je vous amène dans un endroit où vous allez vous sentir très bien aussi. Vous me suivez? Ok. Oh regarde les petits chaussons. Oh c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop, trop mignon. J'ai vu, avec le bruit de la pluie. Très, très mignon. Oh, regarde. Oh, les ballerines. Celui-là, je l'avais quand même. Les pointes. Hein? Oui. Les pointes. T'as déjà vu? Les pointes. Voilà. Ah, les pointes. Voilà. Pas très confortable. Non. C'est pas le but. Oh. Tu avais ça ou pas? Bien sûr que j'avais ça. Oh là là, les paniers. Les autocollants, là, bien sûr. Bien sûr que j'avais ça. Oh. Ouais. Et c'est lui fou. Casimir. Casimir, quoi. Tout le monde connaît Casimir. Ah oui. Camion de pompier. Camion de pompier, je l'avais. Oh. Dis-moi si je l'avais. Et ce téléphone, vous en souvenez ou pas? Ouais. Quand t'appelais que ça sonnait occupé, t'étais défait. Moi, le truc qui m'amusait, c'est que quand ma mère ou mon père téléphonait, j'étais à côté. Prends l'écouteur. C'est incroyable d'être écouté comme ça.
Mais au moins, finalement, il y avait un endroit où il y avait le téléphone à la maison, et c'était autour de ça. Ouais. C'était un endroit. Dans sa chambre. Et ouais, c'était un endroit. J'adore de voir l'époque comme elle a vite changé. Et puis alors, c'était bien, c'était... tu sais, là, ça fait vraiment vieux, là, tout à coup. C'est incroyable. Cyril, pourquoi on essaie de vous imaginer grandir? Donc, vous grandissez à Villefranche-de-Rouergue, c'est ça? Oui, dans l'Aveyron, à Rodez, ouais. À Rodez. Et donc, on essaie d'imaginer le milieu social. Vos parents font quoi? Ma mère est infirmière et mon père, il est menuisier de métier. Donc, comment ça, on essaie d'imaginer le petit Cyril, en fait, hein? Comment ça se passe à l'école, tout ça? Quelle est la place qu'il a dans la famille? Quel caractère il a? À l'école, ça se passe pas bien, pas mal. Ouais. Mais bon, disons que j'avais pas un attrait particulier pour l'école. Hein. Et... Non, ça, c'est une formule, c'est un euphémie, ça s'appelle, non? Non, mais j'aimais pas l'école, quoi. Rien ne m'intéressait, ça me plaisait pas, quoi. Je pensais qu'il y a une chose, c'est prendre la mobilette, aller jouer au foot, faire autre chose, mais ça m'intéressait pas. Et je pense que pour mes parents, ça a été grave pour eux de se dire, mais... Et ils l'ont assez rabâché, ils l'ont assez dit des dizaines de fois, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oh, c'est angoisse. Et un jour, je regarde dans des listes de métiers, et je vois le mot cuisinier. Et pas plus que ça, je voyais juste que quand mes parents invitaient à manger, les gens à manger à la maison, à chaque fois, je voyais les invités regarder mes parents avec un œil assez émerveillé en disant « Ah mais comment t'as fait? Ah mais c'est bon !» Et il y avait une espèce de... D'un coup, ça devenait beau. Il y avait une joie de vivre. Il y avait une joie de vivre. Et je te donnerai la recette et tu feras. Et je me disais « Ah là là, moi d'habitude, c'est... Toujours la galère, hein, ça va jamais. » Et là, d'un coup, ça marche. Donc je me suis dit, un jour, je vais essayer de m'y mettre, quoi. Si ça donne du bonheur. Et si au moins ça va m'enlever ce poids de toujours je suis un bon à rien, peut-être que ça va faire marcher les choses, quoi. Et je dis, alors à la base, je voulais être pompier. Parce que j'aimais cette générosité face aux gens, j'avais envie d'aller sauver les gens, j'avais envie de donner de l'amour, j'avais envie de faire plein de choses comme ça. On va reprendre la chronologie, mais ce qui est hallucinant, c'est que vous êtes pompier aujourd'hui. Je suis pompier volontaire, ouais. Ça? À Bordeaux. Tous les mois, un week-end, je descends à la garde hein, et je prends la garde comme tout le monde. Je passe le balai, je mange la cantine hein, et je pars la nuit quand ça bip hein, et je suis avec mes copains et on prend des risques, on n'en prend pas, on sauve des gens. Vous avez sauvé des gens? Ouais. Ah oui. Mais de quelle situation, par exemple? Dans des accidents de la circulation, dans des malaises qu'il y a à la maison. On découvre aussi la pauvreté des gens. On découvre aussi, souvent, on ne peut pas s'imaginer que quand on part de la caserne en arrivant, en poussant la porte, on va trouver des gens dans une détresse absolue. Et là, Cyriliniac ou pas Cyriliniac, on s'en fout, quoi. On est sa peur et on y va. Vous ne saviez pas ça? Mais non. Ouais. C'est bien. C'est assez étonnant. C'est intéressant. Mais c'était un rêve de gamin ouais. que je voulais accomplir. Et je pense que ça aussi, c'est... C'est partie de la personnalité de vouloir aller au bout de ses rêves, quoi. Alors, justement, aller au bout de ses rêves, ouais. Mais on revient à l'idée que vous voyez le mot cuisinier. J'ai vu ce mot, je l'ai senti, en fait. Je me suis dit, je serai cuisinier. Donc, je suis arrivé à la maison et je dis, ça y est, je sais ce que je veux faire. Ah. Et je me rappellerai toujours, on était dans la cuisine, il y a un radiateur, ma maman était toujours appuyée contre le radiateur. Et je lui dis, je vais être cuisinier. Elle s'est mise à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Et elle me dit, parce que dans l'intonation de ta voix, je sais que c'est ça. Ah ouh. Et nous voilà partis pour l'école de cuisine. Ah, oh, c'est beau. Ouais. Et quand j'ai découvert que je pouvais faire quelque chose de mes mains, ça a été incroyable. Un soulagement. Ah ouais, un soulagement. Parce que j'arrivais à la maison et que je faisais un gâteau, j'amenais le gâteau le dimanche. Mon père était fier, tout le monde était fier. C'était, c'était bonheur. Donc le regard changeait sur vous. Ouais, le regard changeait sur moi d'un coup. Et donc après, j'en ai voulu plus. Et donc, j'arrive à la maison avec un magazine de cuisine. Et je dis à ma mère, je veux, maintenant que j'avais fait mon CAP, je vais aller faire un apprentissage chez elle. Une dame qui s'appelle Nicole Fache-Galtier, qui a une étoile au guide Michelin. Alors pourquoi elle, le déclic, il est assez drôle. Parce que j'ouvre un magazine de cuisine professionnel et je vois cette photo et c'est à 30 km de chez moi. Et moi, j'étais habitué à voir le poulet, sauté chasseur, la quiche Lorraine, je sortais de l'école, quoi. Et là, je voyais la cuisine. Avec des trucs incroyables, ça partait dans tous les sens. Il y avait des photos. Et donc je vois ça. On le visualise quand il le raconte. Et donc je me dis, ma grand-mère m'avait donné 500 francs pour Noël. Et là, j'appelle mon pote et je lui dis, viens, on va manger à Belcastel. Là, vous avez quel âge? J'avais 18 ans. J'étais apprenti pâtissier. Je gagnais un peu d'oseille, un peu d'argent. je m'en vais avec la voiture, on descend le 25 au soir. Il n'y a personne, c'est comme à la campagne ici.
On arrive, deux jeunes de 20 ans, 19 ans, qui mangent, menu dégustation. Pas de vin, et on mange. Et moi, là, c'est la révélation. Je me dis, ça, c'est la grande cuisine. Donc, je crame l'argent, j'arrive à la maison sans rien dire, et là, je me dis, attends, je prends le téléphone, je prends le numéro, j'appelle, et je dis, bonjour, je suis venu manger hier soir chez vous, et je voudrais faire un apprentissage. Et elle me dit, j'ai jamais pris d'apprenti. Je dis, ouah, et bien une première fois. La nature qui se met en marche. Et donc, je rentre en apprentissage de... Vous arrivez à la convaincre? Je rentre, ouais. Je rentre en apprentissage, et forcément, c'est trop dur pour moi, parce que c'est vraiment la première entrée dans le marché. Et j'arrive à la maison, j'ai dit, j'arrête. Alors là, on n'arrête pas. T'as signé pour 2 ans, tu finis tes 2 ans. Et ça aussi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est mes parents avec leur force de dire, tu feras ça et pas autre chose. T'as décidé, on n'a qu'une parole. Donc j'avais qu'une parole. Donc du coup, je suis reparti travailler. Et petit à petit, vous êtes mis à bosser. Et petit à petit, je suis rentré dans le moule. Et après, mes parents, ils me prenaient pour un fou parce que je vivais que pour ça, quoi. J'arrivais à la maison en veste de cuisinier, je dormais, je repartais en veste de cuisinier, je sortais plus. Bon, cette dame, on l'a contactée, on l'écoute. Oh putain. Bonjour Cyril. Plutôt chemin parcouru, n'est-ce pas, depuis 15 ans. Depuis ce soir de Noël, tu es venu manger chez nous. Et complètement enthousiaste, tu as souhaité rentrer en apprentissage. Je n'étais pas du tout convaincue de t'embaucher, mais tu as su trouver les mots, encore une fois, pour qu'on t'engage. Ces 2 années, on a pu se rendre compte à quel point tu pouvais être opiniâtre, persévérant. Je le sais aussi par ta maman, qui me l'a souvent raconté, comme c'était dur pour toi, combien de fois tu as failli arrêter. Mais je peux t'assurer que Bruno et moi, nous sommes maintenant vraiment très fiers de toi que tu aies fini premier apprenti Midi-Pyrénées. Quelque part, j'ai toujours un œil un peu sur toi. Tu mérites encore de percer, de réussir et on te souhaite encore beaucoup de choses. Putain, c'est incroyable. Ah. Non, mais dans cette vie, dans une existence, le regard d'adulte. Ah ouais, c'est fou. De l'entendre parler comme ça, c'est la première fois que j'entends parler comme ça. Après, on se dit les choses, mais ça donne envie de transmettre. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la transmission. J'ai envie que les jeunes, aujourd'hui, ils fassent comme ça, de se dire que ça m'arrivait à moi, mais il y avait des gens, il y a des cuisiniers qui sont 100 fois meilleurs que moi. Mais comme moi, je n'avais pas de talent, je l'ai comblé par un double effort de travail. Quand les gens s'arrêtaient de travailler, ben moi, je continuais à travailler. Et quand j'entends parler, c'est super émouvant, quoi. C'est ma mère dans la cuisine. Et ces souvenirs, c'est incroyable. Parce que ça te ramène forcément à ta jeunesse. Et aujourd'hui, le poids que j'ai sur mes épaules, avec plus de 100 collaborateurs, des familles, des gens qui comptent sur toi, c'est super dur, quoi. Là, c'est léger, ça rappelle des bons souvenirs à la maison, en famille. C'est des super moments, il ne faut pas oublier ces moments-là. On a tellement vite fait de dérailler, quoi. D'oublier d'où on vient, d'oublier ses valeurs. Moi, je suis très attaché à ça. Alors, Mathilda, ce qui est génial quand on imagine votre enfance, c'est que ça ressemble à pas beaucoup d'enfance. Vous avez un papa qui est dramaturge, qui est écrivain, ce qui est pas mal, ce qui est sans doute intimidant, j'imagine, quand on est enfant. Votre maman, qui est danseuse, donc artiste. Ouais. Vous habitez à Paris, dans le 3e arrondissement de Paris, mais c'est pas le 3e arrondissement d'aujourd'hui qui est non. Un peu chic. Hein, c'est pas bobo du tout à l'époque. Et vous, donc, vous êtes fini jusqu'à l'âge de 6 ans. Et on essaie d'imaginer quelle est la petite Mathilda. D'ailleurs, vous ne vous appelez pas Mathilda à l'époque, vous appelez Karine. Ouais. Je m'appelle Karine, qui est en fait écrit à la suédoise, puisque ma mère est suédoise. Et ça s'écrit K-A-R-I-N et ça se prononce Karin. Et donc, j'ai ce prénom suédois. Et puis, je dis, comme certainement beaucoup d'enfants, à l'âge de 8 ans, je n'aime pas mon prénom. Et ma mère, qui est d'une culture suédoise où... on écoute beaucoup la parole de l'enfant et qui sont quand même assez précurseurs sur le domaine de la psychologie de l'enfant. Donc, c'est assez en avance. Elle dit, change. C'est incroyable, et me ça. Devant un... Oui, c'est habitant. Incroyable. Ah, et me voilà devant un calendrier et j'ai choisi Mathilde. D'accord. C'est drôle. Ouais. Et c'est pas sans conséquence dans la vie, d'ailleurs. Bah, évidemment, sur le plan de la construction de l'identité, ça pose quelques troubles ensuite. Mais ça partait d'un bon sentiment. Et du coup, il y a écrit quoi? C'est Mathilde Haïm, puisque c'est mon nom de famille Haïm, dite Mathilda, mais
Alors qu'on essaie d'imaginer cette petite fille, très timide, là aussi, j'exagère pas. À quasiment autiste. Et très complexée. Et très complexée. On se demande pourquoi, bien sûr, hein, nous, forcément. Ah, c'est beau. Mignon. Oh, non, mais... J'étais très typée, hein. Ma mère suédoise, elle Et votre papa d'origine ? Gréco-turc, juif séfarade. Ouais, voilà. Avec ma mère, qui était blonde, qui est blonde aux yeux bleus. Et donc, on voit, nous, cette petite fille trop mignonne, mais vous, vous n'êtes pas au courant que vous êtes mignonne. Oh, bah non, 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 mais enfin, on se voit jamais tel qu'on est. Alors enfin, justement, je pense, justement, c'est ça qui est fascinant, parce que vu de l'intérieur, c'est quoi? Vos complexes de petite fille, c'est quoi? Il paraît que vous dormez tout le temps le nez. Ah alors... oui, je dormais comme ça, parce que je trouvais que j'avais le nez qui remontait, donc je m'étais dit que si je dormais comme ça, un jour, j'allais avoir un nez droit. Enfin bon. Donc timide, peur du regard des autres. Et puis muette, surtout. Ce qui est, voilà, complètement dans un coin. Alors attendez, là, milieu modeste, en fait, parce que papa est écrivain, mais c'est pas un truc qui rend milliardaire, et avec une sorte d'insécurité matérielle même. Oui, ben oui, le théâtre, c'est pas un endroit où on gagne beaucoup d'argent. Ma mère s'est arrêtée de danser quand je suis née, donc c'est un peu difficile. Un peu bohème, quoi. Je sens, en tout cas, très jeune, une forme d'insécurité sur le plan matériel qui est latente, avec une espèce d'angoisse qui est quand même là, diffuse, hein, que je perçois. Mmh. Et... Votre papa donc est un écrivain, donc un intellectuel. Et bon, il y a plein d'enfants dans le monde qui ont l'impression de décevoir ses parents. Vous venez de raconter un exemple. Vous-même, vous auriez aimé être excellente à l'école pour faire plaisir à votre père, mais ce n'est pas le cas. Je pense que j'ai fait mieux que ça. Moi, j'ai fait en sorte de ne pas rivaliser, surtout. Je pense que c'était ça, la mission inconsciente que je m'étais donnée. C'était de surtout pas aller sur ce terrain et que voilà, ce soit son domaine à lui et que chacun... Voilà. Et j'ai vraiment... bien mis en œuvre un échec, mais retentissant, c'est-à-dire que c'était affligeant, je n'ai pas mon BEPC, ce qui était encore aujourd'hui une honte absolue, quoi. Et puis, par ailleurs, je me rattrapais avec la danse classique, où là, j'étais dans une école spéciale, à mi-temps, pour artistes, et je dansais beaucoup. Et là, vous dansez, alors, vous choisissez la danse par hasard? Non, bien sûr. Et votre maman a fait de la danse, vous avez mis sa petite fille à la danse, c'est ça? Oui, enfin, je pense que là, c'est une mission aussi que je me donne pour peut-être ou réparer ou continuer. Parce qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée quand je suis née, ouais. Donc là, vous reprenez le flambeau. Ben oui. Mais on imagine, la danse classique, moi, je n'ai jamais fait, mais on imagine quelque chose de très, très dur. C'est hyper dur. Ah. C'est une tannée. C'est beaucoup de douleur, non? C'est d'une douleur, mais enfin, c'est pas loin de... L'effort, il est au quotidien, sauf que nous, contrairement à vous, sportifs, on doit faire en sorte que ça ne se voit pas, que l'effort ne se sente pas, et on joue un personnage en plus. Ça vous avez... On interprète sourire. Un personnage. Et c'est un cliché, ça, les pieds en sang, les petites chaussons... Non, c'est totalement une réalité. Oui, ils sont là. Ça m'a fait drôle. Parce que ça a l'air tout souple, mais en fait, c'est super dur. Vous avez déjà vu de près? C'est ça. Mais là, vous vous mettez à rêver de quoi? D'être petit rat de l'opéra? Oui, ça, c'était le fantasme absolu, parce que c'est l'école, c'est la plus grande... D'abord, c'est une des plus grandes écoles au monde, réellement, donc c'était le rêve absolu. Et j'ai failli réussir, je passe plusieurs concours, enfin... Et puis j'ai échoué au dernier truc, au dernier concours, j'échoue, et je me souviens encore de la tristesse, la frustration, le chagrin qui s'est abattu sur moi à ce moment-là, c'était un effondrement. Et je me souviens même du lieu à l'arrière de l'Opéra de Paris où on venait afficher les résultats. Il y avait des gens qui venaient afficher la liste comme ça de ceux qui étaient pris, les 10, 12 qui étaient prises contre les 1000 qui s'étaient présentés. Et moi, j'étais presque à la fin et je vois que je suis pas sur le... Là, on ressent quoi? Et ça, c'est l'écroulement, mais une fissure intérieure, un truc dont je me souviens encore quand je passe derrière l'opéra, aujourd'hui encore. Mais d'ailleurs, pendant des années, j'étais contrainte de passer par l'opéra avant que les GPS existent pour me repérer dans Paris. Ce qui est totalement pratique. Ça, c'est très bon. C'est pratique ou pas? Parce que vous n'avez pas le sens d'orientation, je crois. Du tout. Hein. Et donc, il fallait que je passe par l'opéra. Où qu'elle soit, elle va à l'opéra et à partir de l'opéra. Et à partir de l'opéra, où que j'aille. C'est-à-dire que si je devais aller à Bastille ou n'importe où. Ça changeait rien. Il fallait que je passe par l'opéra. Genre le point stratégique, symbolique du départ de tout. Ouais. Ah. Venons-en, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette petite fille? Ça me fait de la peine, je sais pas pourquoi. Je me dis,
Ah là là, quels efforts déjà. J'essaie de bien quels faire. Efforts, quels efforts je faisais pour essayer d'être digne de cet art qui est presque pas humain. Et d'ailleurs, la plupart des danseuses, dont ma mère, ont des hanches en titane. Hein. C'est pas remplacement. Une image. Ben oui. Ouais. Je crois que c'est une formule. Non, pas du tout. Ouais. Pour de vrai. Enfin, je te rassure, il y a plein de tennismans qui en ont aussi. Hein. C'est vrai. C'est ouais, un des problèmes de hanches, assez important. Ah bon. Ouais. Bon, on a bien fait de pas faire ni de danse ni de. Les tennis au niveau. Ça va les hanches? Écoute, moi ça va bien. Les poignets. On a d'autres problèmes, mais pour l'instant ça va bien. Bon. Fabrice Santoro, on essaie de vous imaginer enfant. Donc vos parents font quoi? Mon papa est à un travail à l'Arsenal de Toulon. Il est ouvrier. Il travaille. C'est important de dire parce que moi je crois qu'on est nombreux à penser que le tennis c'est un sport. Qui n'est pas accessible à tous, hein. Donc effectivement, on suppose toujours un milieu social différent. Donc là, c'est milieu ouvrier, votre papa est ouvrier. Mon papa est ouvrier, milieu modeste, très modeste, ma maman est mère au foyer. Alors, on se demande comment le tennis rentre dans la vie de ce petit garçon, fils d'ouvrier. Donc votre papa est prof de tennis dans un milieu associatif, c'est ça en même temps? Tout à fait. Il est à l'Arsenal de Toulon toute la semaine, et puis le mercredi, il donne des cours à des enfants à Toulon, dans une école de tennis. Donc là, naturellement, il met son fils au tennis? Même pas, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'école de foot. Et puis un mercredi après-midi, alors que mon entraîneur de foot me faisait faire de la technique, de la conduite de balle, moi, je voulais marquer des buts, hein, rien d'autre. Donc je suis parti en pleurant de l'école de foot. Et je me suis dirigé à 50 ou 100 mètres sur le terrain de sport d'à côté où mon père enseignait le tennis. Et je lui ai dit, papa, je veux plus jouer au foot. Et il m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai encore 2 heures de cours. Pour t'occuper, si tu veux, prends une raquette de tennis. Et il y avait plein de raquettes pour les enfants. Et j'ai attrapé forcément la plus grosse, parce que quand on est gamin, on ne va pas prendre la petite, hein, on prend la plus impressionnante. Ouais. J'ai attrapé une raquette qui était beaucoup trop lourde pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer demain. À demain. Tout de suite d'emblée. Tout de suite. C'est ça qui est génial. Ah, un truc qui va vous rendre célèbre, qui fait que Pete Sampras va l'appeler le magicien et que le monde entier va titrer ça, c'est que vous êtes le gamin, prend une grosse raquette. Le gamin prend une grosse raquette et elle est trop lourde pour vous. Et c'est pour ça que vous mettez les deux mains. Exactement. Cette raquette, vous pouvez voir, c'était la mode des chaussettes hautes hein, à l'époque. Et par la suite, j'ai rencontré des entraîneurs qui ont essayé de me faire changer en me disant, bien entendu, si un jour tu veux devenir un grand champion, il faut que tu joues à une main contre tout le monde. Et j'ai pas voulu changer. Et à l'inverse, mon père me poussait à garder les deux mains sur la raquette en me disant, de toute façon, dans la vie, tout ce qui est naturel, tout ce qui est spontané, il faut le conserver. Ah bon? Quelle chance! C'était son discours. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que son père l'aide à ne pas rentrer dans un moule et ce qui fera sa force plus tard, finalement. Exactement. Et donc, 6 ans, le premier déclic, c'est une victoire, la première victoire, en fait, à 6 ans. Oui. On essaie de comprendre qui donne le goût, ensuite, d'essayer de devenir un champion. Le virus, je pense, est passé par la victoire. Par la victoire et le plaisir. J'adorais être sur un court tennis. Et le premier tournoi que je joue avec des gamins de 6, 7, 8 ans, je le gagne. Et à cet âge-là, c'est très simple. Vous jouez, vous gagnez, vous voulez rejouer. Je veux dire, c'est... Ouais. Donc j'ai eu envie de faire un deuxième tournoi. Puis un Mais alors, de quelles sensations vous vous rappelez? On vous donne une petite coupe? C'est quoi qu'on veut retrouver, en fait? C'était le tournoi du littoral à Toulon. Ouais. Je l'ai encore, cette coupe. C'est celle-là. C'est celle-là, la coupe? Ouais, c'est celle-là, voilà. Ma petite coupe était celle du littoral. C'est ce jour-là que votre vie va basculer, en fait. Oh là là, voilà, j'ai à peine 7 ans. Deuxième déclic de votre vie, c'est une image qui a marqué des millions de Français. Vous avez 11 ans, c'est la victoire en 1983 de Yannick Noah à Roland-Garros, la finale. Et vous dites ce que vous ressentez quand vous voyez ces images, parce que ça fait basculer votre destin. Je me souviens du service, du retour, de... Vous vous rappelez de tout? Ah ouais, voilà. Voilà, le retour qui sort. Oh là 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 là, quel grand moment. C'est incroyable. C'est excellent l'expression. Ça veut vraiment dire je ne sais pas ce qui m'arrive. Ouais, quelque part, il ne croit pas. C'est trop beau. Ce qui est beau, rêvé. C'est la prise de conscience qui se fait au fur et à mesure. C'est pas possible. Donc nous, on se rappelle de cette émotion alors qu'on n'était pas dans le tennis du tout. Vous, à 11 ans, qu'est-ce qui vous touche? Moi, c'est le. À cet âge-là, j'avais déjà mes petits tournois, mes petites coupes à la maison. Mais là, je me dis, enfin, c'est là que je veux aller, quoi. Une petite coupe, c'est bien. Mais un jour, je veux la grosse, quoi. Et je vois Yannick, je vois ces images.
Bah, je me dis un jour je veux être professionnel quoi. Je veux être professionnel et en fait c'est devenu un peu une obsession. Parce qu'il y a une décision très importante à faire un peu avant, c'est de décider de s'y consacrer vraiment, de faire sport-études, c'est ça, et de monter à Paris. À l'âge de 14 ans, je suis rentré à l'INSEP à Paris. Tu fais sport-études? Sport-études en internat. Et y a des images de vous à 14 ans. À l'époque, c'est assez impressionnant. C'est quand on vous regarde aujourd'hui, vous êtes un adulte. Mais on regarde ce petit gamin qui est monté à Paris, qui a quitté Toulon. Matin, 7h, voilà l'INSEP. L'Institut national des sports, il neige. Le commentaire. Ça, c'est dans le bâtiment BU, c'est l'heure du réveil pour les tennismen. Nés en 1972 et 1973, ils sont la relève du tennis français. T'es là, toi? Ouais, c'est moi. Non, c'est dans toi, là? Ouais, je me brosse les dents. Sébastien Hett, Fabrice Santoro et 14 de leurs copains, tous nés en 1972 et 1973, récitent leur gamme. C'est dingue de revoir ces images. À partir de 18h, c'est l'entraînement physique quotidien. Voilà la photo de famille, la photo où, de la là? Classe. Regardez bien. Car dans 5 ans, ah oui, là. Voilà, l'un d'entre eux jouera la Coupe Davis pour la France. En vert à gauche. Et je n'avais jamais revu ces images. C'est vrai? Non, jamais. Mais du coup, je me demandais s'il y avait de la place pour de l'amusement, de la légèreté, quand on est adolescent, 14 ans. Dans ma chambre qu'on a vue, là, au BU, j'avais des posters d'Elsa. Dans ma... Elsa? Eh oui, moi, j'étais, bah oui, c'était l'époque de T'en vas pas. Je me souviens de cette chambre. Et... Oui, on s'amusait. On avait encore à ce stade-là, on avait des vies normales. Et moi, je me souviens d'une discussion, justement, au moment de passer pro, lorsque j'avais 16 ans, une réunion au sommet entre mes parents, mon entraîneur et moi-même, à Roland-Garros. Et mon entraîneur me dit, voilà, Fabrice, tu as 16 ans, tu vas passer en seconde, mais tu as le niveau pour être professionnel, tu peux passer professionnel. En professionnel, ça veut dire arrêter tes études. 16 ans, c'est un peu lourd, quoi, c'est un peu tôt. C'est trop, cette décision à cet âge-là. J'ai aucune certitude sur l'avenir. Et donc, je me retourne vers mes parents, je leur dis, mais qu'est-ce que je dois décider? Moi, je peux pas décider, je suis un bébé. Et mon père me dit, c'est à toi de choisir, choisis ce que tu veux, mais quel que soit ton choix, fais-le à fond. Voilà. Et n'aie pas de regrets. Je me dis, oulala, ça c'est la première décision importante gros de ma vie. Coup de main, merci. Ouais, merci pour la responsabilité. Là, vous vous rappelez quoi? Vous êtes dans votre chambre, vous réfléchissez? Je réfléchis et je choisis le tennis et je l'ai fait professionnellement de 16 à 37 ans. Quoi. Pendant 21 ans, je me suis mis la tête dans le guidon. Oui, c'est ça. J'étais dans ma bulle, ouais. J'étais obsédé par le progrès, par l'avancée. Je ne voulais pas jamais prendre un jour de vacances parce que je me disais, le jour de vacances que je vais prendre, mes autres, ils s'entraînent. Donc je m'entraîne 7 jours sur 7. C'est fou quand même. Et puis j'étais. Alors moi j'étais peut-être pas le plus talentueux, mais j'étais excessif au niveau du sérieux. C'est-à-dire que moi à 18 ans, j'étais. Après à 18 ans, j'avais mon appartement, je pesais mes aliments, parce que j'étais persuadé que pour être pro, il fallait manger tant de grammes de carottes, tant de grammes de pâtes. Oh. J'avais une vie. Une rigueur, incroyable. Une rigueur. Une autodiscipline. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un exemple aussi un petit peu plus tard, le soir de mes 20 ans. 20 ans, c'est quand même un âge qu'on a tous célébré, qu'on a un anniversaire. J'ai un pote qui m'appelle et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais pour tes 20 ans ?» Je dis « Mais rien, j'ai entraînement le lendemain. » Vous ne pouvez même pas fêter votre anniversaire. Ouais, mais rien, c'est-à-dire que j'étais... Ça ne venait même pas à l'esprit. J'étais obsédé par la compète, par le progrès. Quoi. J'étais pro depuis 3-4 ans. Et finalement, il a débarqué avec des amis. Il m'a dit « Le matin même, on débarque ce soir, on sera là à 8h. » Et on a fait une bonne fiesta, un bon dîner, mais à 11h, j'ai mis tout le monde dehors. Hein. Non. Bah oui, c'était fini. Hein. Extinction des feux, il fallait dormir, quoi. C'était fini. Ah oui, je suis content de vous avoir rencontré maintenant. Un peu plus drôle. Vous n'étiez pas fun, quoi. Ah non, pas du tout. Mais c'était quelque part une erreur, une connerie. C'est-à-dire? Bah parce que je pensais que pour réussir, il fallait se priver. Pour réussir, il fallait arrêter de souffrir et arrêter de vivre. Mais en fait, c'était faux. Et mes meilleures années, je ne les ai pas vécues à ce moment-là. Mes meilleures années, je les ai vécues quand, après 25 ans, quand j'étais quelque part peut-être plus épanoui, plus heureux, plus libre. Ou bah, de temps en temps, je prenais un petit verre de vin, je pouvais manger un petit peu ce que je voulais. Mais voilà, et je pouvais manger quelque part un petit peu ce que je voulais, mais je n'allais pas me faire une choucroute 2 heures avant un match. Ouais. Et j'ai commencé à vivre. Et, c'est là que tu as été finalement, parfois, il vaut mieux perdre 5% physiquement parce qu'on a bien mangé, mais gagner 95% dans la tête parce qu'on, heureux, ouais, parce qu'on est heureux, que de se priver et d'arriver sur le terrain en faisant la gueule. C'est important d'entendre ça. Hein. Ouais. Est-ce que ça vous dirait... Bon, c'est un privilège, hein,
Un petit cours de tennis par Fabrice Santoro. En pointe ou pas, Mathilda? Mon Dieu. Allez, avec demain, Fabrice Santoro ouais. qui nous donne un demain, ça va être dur. Hein. Première séance qui est en général assez physique. C'est top. Regarde, regarde. Est-ce que vous disiez à la manière de tenir la braquette, vous savez si on a joué même dans un jardin, même dans la braquette. La braquette, t'as dit. La braquette. Non, la raquette. T'as dit la braquette. À la manière de tenir la raquette, vous savez si on sait jouer ou pas. Là, par exemple, vous savez que je suis très bon. Non, j'ai aucun doute, mais on sent qu'en tous les cas, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Qu'est-ce qui conduit? Oh, je peux conduire. Ouais, en voiture, Simone. Eh bien entendu, je vais passer la deuxième. Un chambriage, on y va. Merci ma petite dame. Voilà, t'as vu ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Honte. J'ai rien touché. T'as été d'une violence avec cette porte. Non, on peut pas faire de sport sans s'échauffer. Allez, on fait un petit tour de terrain rapide. Allez. Qui fait des footings de temps en temps? Footing. Moi, je fais du footing. Les pas chassés, ça vous parle ou pas comme ça? Ah oui, je me rappelle, j'ai l'impression d'être en scène. Attendez, comme ça, voilà. Je me souviens aussi qu'on me faisait faire des pas croisés, c'est plus galère. Eh, bien, bien, Fred. Dans l'autre sens? L'autre sens? Allez, un petit peu en marche arrière. Allez, c'est parti. Donc vous mettez sur la ligne de service, donc c'est la première ligne blanche. On va commencer par le coup droit. Par le... À une main, coup droit, coup droit à une main. N'ayez pas peur. C'est juste Fabrice Santoro. Mais c'est très bien, voilà. Cyril. Parfait, ah ouais. Fred. Oh. Mathilda, à toi. T'as remarqué une chose, c'est que les danseuses, quand elles jouent au tennis, il y a toujours une jambe qui est... En l'air, vous avez du mal à avoir des appuis. Voilà, allez, vas-y. Les deux pieds au sol. Non, non, alors attends. Cyril. Très bien. Lui, il a le niaque. Le niaque. Regarde-le. Ouais. Une teigne. Ouais. Oh putain. Non, mais j'ai. Oh. Ah, c'est génial. Allez, on joue le point. Vas-y, tu vas courir, je te le dis, moi. Allez. Très bien. Fred, à toi. Pas mal. On fait un match tous les trois contre vous. Donnez-nous quand même sur les charrettes quelques conseils chacun. Quelques conseils. Alors, Mathilda. Ouais, essayez de garder les jambes au sol. La danse, c'était une autre époque. On est sur un cours de tennis. Hein, les deux pieds par terre. Donc les deux pieds par terre. Cyril, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que tu t'entraînes en cachette. Non. Ah, si. J'ai un bon prof. C'est pas mal du tout ce que tu fais. J'aimerais bien voir un peu plus ton revers. Okay. Parce qu'en coup droit, c'est vraiment bien. Okay. Montre-moi un peu ton revers. Bon, et moi, il faut que je travaille quoi? Alors Fred, pense à bien accompagner. Allez, okay. Pas de pitié, vous nous, pas de pitié, on va faire de notre mieux. Essayez de nous rendre fous, faut que ça soit la panique dans notre camp. Oh. Encore un joueur. Allez. Ouh, ça c'est pas bon. Mal, c'est vachement bien ça. Non. Ah oh, non mais ça va pas bien, c'est pas dingue. Mais dis donc. Non mais pour qui tu te prends? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur tellement ça va? Parce que là, on se disait nous qu'on avait peur quand vous... Moi, je suis à la limite de partir en courant, c'est-à-dire que j'avoue arriver la balle, je suis en mode protection, quoi. Ouais. Sur un service, on n'a pas peur. Où on peut avoir peur, c'est quand on est au filet et que le joueur, il est à 4-5 mètres.
4-5 mètres, s'il décide de vous allumer, de vous faire mal, tout d'abord, ça peut faire très très mal dans les yeux. Tu m'étonnes. Et c'est pas très fair play, mais ça se produit parfois. Et là, il peut vraiment vous toucher, vous faire mal. Ça t'est arrivé. Et il y a des joueurs. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Quelqu'un qui a cherché à te faire mal, ouais, tu as senti joueurs connus, il y a des joueurs connus. Enfin, à l'époque, il y avait Ivan Lendl qui était réputé pour allumer son adversaire. C'est vrai. Ah, Ivan Lendl. Par la suite, il y a un Autrichien, Thomas Muster, vous avez connu, qui a gagné Roland Garros en 95. C'est des warriors. Muster, il avait une balle à 4 mètres. Il y avait 3 mètres à gauche, 3 mètres à droite. Il visait là. Mais non. Ah oui, bah oui, intimidation. Non, mais le sport, il ne faut pas croire. Je ne savais pas que ça existait, ça. Les joueurs sont globalement très fair-play. Mais il ne faut pas croire non plus que dans un vestiaire, on sait tous la bise et c'est la super ambiance. Hein. Il y a une grosse, grosse concurrence, beaucoup de rivalité. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein. Moi, je me posais une question, parce que, bon, quand on vous voit faire comme ça, vous faisiez ça pour séduire les filles. Ça ? Ça. Ça a de l'effet sur les filles, Terrible. Quand j'invitais quelqu'un à dîner à la maison, je sortais pas une raquette pour jongler, mais... Moi, je vous imagine très bien. Des petits spaghettis à la carbonara, qu'est-ce qu'on boit ce soir ? Alors... Mais quand on fait un match à Roland-Garros à 16 ans et que derrière, on croise quelqu'un, une demoiselle dans une soirée ou quoi que ce soit, ouais. On voit qu'il se passe un truc, on voit qu'on arrive avec un atout... Une aura. On arrive avec des points de bonus, quoi. T'as dit bonus. Voilà. C'est point de bonus. C'était quoi vos points de bonus, vous ? À l'adolescence ? Mais moi, à l'adolescence, je faisais rien, donc j'avais pas de bonus. Ça veut dire quoi ? Bah, je jouais pas de tennis, je faisais pas de cuisine, j'étais un ado tout à fait normal. Vous jouiez sur quoi, alors ? Je jouais sur rien, sur ma personnalité. Mais je faisais rien. Mais je pense qu'on joue pas toujours sur ce que l'on est ou sur ce que l'on fait. Ouais. C'est pas parce que je suis cuisinier aujourd'hui que je joue de ça. À 14 ans, je dragouillais comme tout le monde, quoi, tu vois, on se dragouillait comme ça. Vous vous rappelez du premier bisou ? Ah ouais, je me rappelle du premier bisou. C'est incroyable parce que c'était à la piscine. J'avais 14 ans et on était allé s'enfermer dans les cabines de... Tu sais, on pouvait rentrer des deux côtés et on s'était retrouvés dans la cabine et on s'était embrassés. J'avais trouvé ça assez bizarre la première fois, c'était pas... C'est un bon souvenir ou pas ? La première fois, c'est pas toujours un bon souvenir. Si, c'est un bon souvenir, mais tu sens que tu passes finalement d'enfant à l'adolescence. Donc, ça marque un peu l'adolescence, moi, je trouve. Okay, le premier bisou avec la langue. Ah, c'était à 14 ans aussi. Ouais. En fait, moi, j'ai surtout un souvenir, c'est quand on a 12-13 ans, c'est effectivement les premiers bisous, 12-13, 14. Et est-ce que t'as couché avec une fille, etc. Et moi, à 12 ans, je disais... Ouais, vous dites oui ? Ben oui, je disais, mais oui, bien sûr. Mais parce que j'étais persuadé d'avoir couché avec une fille. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais parti en tournoi à Paris, on avait pris le train. Il y avait des garçons et des filles. Et dans le train couchette, j'avais couché avec une fille. Mais j'avais dormi dans la couchette avec la fille. Mais c'était rien passé. Mais pour moi, j'avais couché avec... T'as couché avec une fille ? Oui, j'ai couché avec une fille. Avec beaucoup d'aplomb. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Voilà. Et pour de vrai ? Ah, pour de vrai, c'est venu plus tard, 15 ans. Donc là aussi, les garçons, ils se mettent beaucoup la pression. Ouais. Ouais. Ben, on a envie de. Comment dire, d'assurer, c'est comme ça qu'on dit, ouais. D'assurer, on n'a aucune confiance, on est complètement dans l'inconnu, quoi. Pourtant, c'est vous qui devez faire le premier pas, c'est vous qui devez être... Ça dépend de l'âge de la partenaire, mais vous avez quel âge, vous ? Hein, vous avez le même âge, en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est l'homme... C'est censé être le mec qui prend un peu les choses en main, quand même. Est-ce que c'est l'homme qui est jugé dans ce genre de circonstances ? Alors, c'est une question qu'on se pose tout le temps, hein, parce que les garçons se mettent la pression... En pensant qu'il faut être super fort. Mais ils ont raison. Parce qu'on attend beaucoup de ce moment. Et est-ce que la fille, elle la traque aussi comme le garçon ? Bah, tétanisée. De toute façon, j'étais tétanisée un peu de tout à la base, donc ça ou autre chose, je veux dire. Ouais, de base, j'étais tétanisée. Tout était me terrorisait, les gens. Moi, j'étais pas pressée que ça arrive, forcément. Hein. J'ai fait quand je tombais amoureux d'une fille et que ça s'est passé comme ça, elle était un peu plus âgée que moi. Donc, pour le coup, elle l'avait déjà fait. Donc, forcément, ça te. Tu te sens un peu plus, tu sens un côté un peu plus maternel, tu te sens un peu plus enveloppé que si tu le fais la première fois avec une fille qui le fait la première fois, certainement. Elle t'a guidé. Donc forcément, quand tu te sens un peu plus en confiance, quoi, voilà. Mais je comprends que tu puisses avoir le trac la première fois que tu le fais, tu te dis, bah, il faut que j'assure, quoi. Vous aviez pas ce trac ? J'ai pas eu ce trac, non. Donc c'est un bon souvenir ? Ah, très bon souvenir. Ah ouais, très très bon souvenir. Okay. Et vous, la passion amoureuse ? Ah ouais, plus j'avance en âge et plus ça me semble impossible, en fait. C'est-à-dire ? Bah, on se consume de passion, on souffre, on se déchire, on est dans un état qui est proche de celui des toxicos, quoi. On est en manque. La dépendance ?
Et puis c'est une sensation plus qu'une vraie émotion. Enfin, je dis pas que les sensations sont fausses, mais pour moi, être amoureux, c'est un état. Alors que aimer, c'est un choix. C'est une décision, une démarche, c'est même une responsabilité. Mais moi, j'avais aussi un sentiment. C'est-à-dire qu'autant dans ma carrière, je me disais qu'il fallait que je me punisse, il fallait que je souffre quelque part pour réussir. Et en amour, je pensais qu'il pouvait vivre pareil que par la passion, que par la souffrance, l'attente du texto, l'attente du truc. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça, qui passent d'une passion à l'autre toute leur vie, en fait. Et aujourd'hui, en fait, je sais pas, le confort, le justement, ne pas avoir cette crainte, être rassuré, confortable, bien, juste bien avec la personne, je trouve que ça me paraît déjà énorme. Le confort, c'est à la maison, en train de manger des petites coquillettes, hein, et du pain perdu. Ça vous a plu ? Ouais, vachement. Je suis bien défoulé. Je me suis bien défoulé, c'était top. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Ça fait du bien. Eh ben, moi je dis, ça m'a ouvert l'appétit. Et comme je prends pas de décision le ventre vide. Ah, c'est pas mal comme principe ça. Jamais. Vous prenez jamais de décision le ventre vide. Jamais. Parce que sinon, vous prenez de mauvaises décisions. T'as faim. Donc, t'es énervé. Moi, quand j'ai faim, je suis énervé. I can see me love nobody but you for all my life. Alors, en fait, on va faire un velouté de langoustine avec des petits langoustines poêlées. Là, j'ai préparé la truffe avec le jus. Et on va faire pour les coquillettes. Avec du jambon et du comté. Et ensuite, on fera un pain perdu. Donc là, j'ai mis un jus de viande avec de la truffe. La truffe, c'est quoi? C'est râpé? Oui, ça, c'est de la truffe hachée. Et là, je vais mettre de la crème. Et on va laisser cuire. Qu'est-ce que ça va faire? C'est tout. Là, c'est ça qui est vachement bien. Parce que là, on va le laisser réduire tranquillement. Tu vois? Là, on va préparer les langoustines. Là, j'ai besoin de tout le monde. On peut s'asseoir. Hein. Prenez. Ah, qu'est-ce que. Assieds-toi. Là, j'ai pris les langoustines, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les pinces d'un côté, hop, et les têtes, on va les jeter, ok? Et le corps, on va le laisser là. Qu'est-ce que tu vas faire avec les têtes? Eh bien, on les jette, parce que la tête, c'est pas bon, en fait. D'accord. Mais par contre, les pinces, on va faire le velouté, puisque t'aimes les veloutés. C'est pas bon, et puis c'est pas beau. Tiens, les pâtes. Les pâtes, tu fais quoi avec? On va en faire la sauce. D'accord. Bon, moi, ce que je veux comprendre, c'est que à quel moment vous montez à Paris? Vous êtes resté le restaurant de la dame qu'on a vu? Oui, j'y suis resté 2 ans et demi. D'accord. Et c'est là que monte à Paris, c'est après ça. Et après, comme j'ai découvert la grande cuisine, ben, je me dis, il faut que je monte à Paris. Et Paris, c'était mon rêve américain, quoi. C'était là où il y avait tous les plus grands chefs, donc j'avais envie de travailler dans les grands restaurants. Donc j'envoie des CV partout à Paris, et je fais des entretiens. Et quand t'arrives de province, les chefs, ils aiment bien, parce que t'es beaucoup plus motivé, c'est vraiment la montée à la capitale. Ouais. Donc on te prend plus facilement. Ah ouais. Et mes parents m'ont dit, ben, OK, on va t'aider. Et ils m'ont donné, à l'époque, 10 000 francs. Et de ça, je me suis pris. Ben oui, mais j'avais une chambre de bonne de 9 mètres carrés. En ayant payé les loyers, il ne restait que 4 000 francs. J'ai démarré il y a 15 ans à Paris avec 4 000 francs. Et ce couteau-là, celui-là. Celui-là en vrai. Celui-là en vrai et celui-là, qui ne m'ont jamais quitté. Alors donc, vous montez à Paris, vous savez où vous allez atterrir parce que vous prenez votre chambre de bonne? Oui, je sais où je vais atterrir puisque j'ai décidé de rentrer chez Alain Passard. Ça a été un choc des cultures pour moi, parce que j'arrivais de Rodez, où c'était la campagne, et d'un coup, je me retrouve à Paris, je sortais dans la rue, il y avait des voitures partout, je connaissais personne, je découvrais de la culture, de la cuisine. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'allais manger dans des restaurants indiens, j'avais jamais vu ça de ma vie. À Rodez, il y a pas de restaurant indien. J'adore la nourriture indienne. Donc j'allais manger dans des restaurants africains, je goûtais les sandwichs, je découvrais plein de choses. Et à la fois, c'était dur, parce que ma famille me manquait. Je suis complètement perdu, là. J'arrive à Paris, je me retrouve dans des grandes cuisines, avec des mecs qui ont, pour le coup, vraiment faim. Donc, les places, elles sont chères. Il faut se battre pour être proche du chef. Et t'as envie qu'il te parle, t'as envie qu'il soit proche de toi, t'as envie qu'il t'aide. Et t'as envie qu'il te regarde, quoi. Qu'il te remarque. Qu'il te regarde. Comment on se fait remarquer, alors? En faisant bien son travail. Et une fois de plus, en comptant pas... Moi, je comptais rien. J'arrivais le matin plutôt que les autres. Je repartais plus tard. Ouais. J'aimais ce que je faisais et c'était formidable. Donc, Paris, c'était l'école de l'exigence. Okay. Voilà, on rentrait vraiment dans la cour des grands
et dans l'exigence et dans la précision. On t'apprend finalement la perfection. Le hasard n'existe plus. Tu peux pas dire oui, mais j'ai fait ça. On verra bien. Ouais, on verra. Ouais. Non, si on te dit, la langoustine a cuit 2 minutes, elle cuit 2 minutes. Moi, je faisais des tomates. La spécialité du chef, c'était les tomates aux douces saveurs. Et je cuisais les tomates. Il faisait des tomates. Après, il les farcissait avec plein de fruits, des condiments. C'est sa spécialité. Il prenait un jus d'orange et après, il les arrosait. Et on les faisait confire. Ben, le truc, c'est que ça, c'était ma mission quand je suis arrivé. Pendant 2 heures, j'arrosais des tomates. Et vous savez... Ça, ma tomate, moi, quand je l'amenais au chef, j'avais que ça à faire. Il fallait que ce soit parfait. Et ça, c'était un bon apprentissage. Et à quel moment on prend la décision de changer de maison? On a envie de découvrir un autre chef, sa personnalité, sa cuisine. Et après, c'est un tempérament. Il y a des jeunes qui aiment rester longtemps dans des maisons, d'autres qui ont la bougeotte. Moi, c'est vrai que j'avais la bougeotte. Oh, ça nous étonne. Bizarre, je t'aurais pas vu comme ça. Pas du... Alors, là... J'avais envie d'aller de continuer. Parce que là, vous avez 35 ans, je vous imagine, à 22 ans. J'étais un fou. J'étais un fou, ça veut dire quoi? Bah, j'étais un fou, je courais partout, quoi. Alors, la deuxième maison. Les frères Pourcel qui arrivent à Paris. Ouais. Qui sont de Montpellier, non? Qui sont de Montpellier. Et là, la révélation, puisque je découvre cette cuisine du Sud, l'exubérance des produits, cette cuisine du soleil que j'aimais bien. C'est quoi ça? C'est des mots que je lis dans les magazines. L'exubérance du produit. Les gros artichauts, les gros loups de... Les loups. Ah, c'est ça. De la Méditerranée, les bourgers... On avait ces légumes gorgés de soleil. Ouais, les belles tomates. On avait quelqu'un qui nous faisait les tomates que pour nous. Alors, c'est quoi le problème de mes tomates? Ça, je vais les mettre dans la sauce. D'accord. Parce que j'ai besoin de tomater la sauce. Mais nullement, je vais la couper pour la mettre en salade. Nullement. Mais... J'aime bien tout à coup. Tu t'y attendais pas, celui-là. Hein. Nullement. Mais c'est dommage, pourquoi j'aime vous moquez de lui? Non, mais c'est le côté catégorique. J'aime bien le côté... Ouais. Cranché. Donc, nullement dans la salade. Jamais dans la salade. Donc ça, pourquoi? Parce que c'est pas la saison et j'ai pas envie de manger ça. D'accord. Par contre, je vais faire la sauce de langoustine. J'ai besoin d'un peu de tomate. Donc je vais mettre la tomate avec les oignons. Donc, on est un peu psychopathe dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on a notre producteur qui fait des tomates que pour nous. Ouais, donc vous avez une exclusivité planétaire sur la tomate. Non, mais ça, c'est... Je suis d'accord avec toi, c'est nul. Non, je moque pas, c'est super. Mais on est tellement passionnés qu'on aime à savoir d'où vient notre produit. Quand je dis qu'on cuisine ce que la nature nous donne, ce qui est important, c'est de cuisiner ce produit-là et de savoir où il est, d'où il vient, comment il a été fait. Alors après, le client, il nous fait confiance. Mais moi, si demain, tu me poses la question d'où vient ce comté, je sais d'où vient ce comté, je sais d'où viennent ces trucs, je connais les gens, parce que c'est mon rôle de cuisinier, de prendre les plus beaux produits, de faire travailler les vrais artisans qui se donne du mal pour me donner les meilleurs produits pour moi et de pouvoir te le faire déguster et que tu prennes du plaisir. Alors comment on devient chef à 25 ans à Paris, dans cette ville où vous connaissiez personne 3 ans avant? Ben, j'ai passé donc les étapes et un jour, on me propose d'être sous-chef, déjà avant tout, et chef pâtissier en même temps. J'ai l'impression d'être dans les gendarmes de Saint-Tropez, les sous-chefs, du commandant Cruchot. Dans un restaurant. Et très vite, le chef, je vois qu'il y a un peu des qu'il n'est pas investi à fond avec nous. Moi, je suis sous-chef, donc je gère la brigade. Et j'ai toute l'équipe avec moi. Et je travaille avec eux le matin, on bosse ensemble. Et je commence à découvrir ce vrai esprit d'équipe, ce pack, en fait, comme au rugby. Dans ce restaurant, il y a un chef qui ne lui est pas très impliqué, et vous qui êtes en train de vous éclater avec cette équipe. Et donc, assez naturellement, j'ai envie de dire, du coup, c'est vous qui devenez le chef, c'est ça? Oui, assez naturellement. J'espère que c'est bien naturel, vous ne faites pas un croche-patte. Non. Non. Vous réfléchissez? Non, mais ça veut dire quoi? C'est une vraie question. J'espère que tu n'as pas fait ça. Non, vous avez 25 ans, vous êtes conscient qu'à un moment donné, il y a une place à prendre. C'est ça que j'ai compris. Mais c'est ça, exactement. Donc au bout d'un moment, je vois qu'il n'est pas tout à fait impliqué. Donc je m'impose un peu. Mais comment on s'impose en cuisine? je prends un peu les devants, quoi. Force le passage, quoi. Du coup, je mène de plus en plus la cuisine et je prends de plus en plus de place. Et lui, il savait pas trop ce qu'il voulait faire, et puis il s'en va. Donc d'après, le problème se pose que lui avait au moins plus de 30 ans, et moi, j'en avais que 25, c'était ma première expérience. Donc c'est une vraie prise de risque pour... Pour les patrons. Les patrons, c'est les Guetta. Et les patrons, c'est les Guetta. David Guetta et ah Cathy bon Guetta. Qui avait ce restaurant. À Paris. Et donc moi, je travaillais dans ce restaurant-là. Et j'avais un circuit, j'avais un parcours, j'avais travaillé que dans des restaurants étoilés. Et lorsqu'on me propose ce défi, je me dis, tiens, pourquoi pas? C'est un restaurant pas étoilé. Je vais tenter ma chance, c'est une autre façon de faire la cuisine. Clientèle un peu branchée. Clientèle un peu branchée, restaurant un peu différent. Mm-hmm. Et je me dis pourquoi pas.
Et en fait, dans ce restaurant, j'apprends à me débrouiller tout seul, comme c'est pas permis. Donc j'acquiers une expérience où je gérais des problèmes sur problèmes. Des gâteaux, il fallait faire des gâteaux énormes pour des anniversaires. Des anniversaires de stars. On avait l'after show des Rolling Stones, il fallait faire des pièces de cocktail incroyables. On faisait le défilé Chanel Croisière. Karl Lagerfeld avait demandé des macarons de toutes les couleurs, aux couleurs croisières, des meringues, des guimauves, des gâteaux. Et tout ça, il faut le mettre en œuvre. Oui. J'ai toujours souvenir, on avait fait l'anniversaire de Lenny Kravitz, et il avait fallu que je fasse des homards. Il adorait le homard avec des pommes de terre, j'y avais cuisiné. Et puis, je faisais des gaufres avec des crèmes. Enfin, j'apprenais à, finalement, travailler avec le désidérata du client. Et une fois que j'avais mis le pied dedans en disant « mais je veux la place, j'en suis capable », voilà, on peut plus reculer après. Ouais. La suite, on la racontera pendant le dîner, parce qu'après, il y a comment la télévision arrive dans votre vie. Hein. Mathilda, la question, c'est comment cette petite danseuse va devenir actrice. Je veux savoir comment ça rentre dans votre vie. Le déclic se fait de façon très improbable, c'est-à-dire que je me retrouve... je suis allée voir une pièce de mon père, c'est La Générale, dans un petit théâtre, et là, il y a une dame qui aime assez le travail de mon père, qui me voit, j'ai 10 ans, et qui dit « Vous ferez du cinéma !» À 10 ans, ça. Voilà. Ouais. Comme un prophète. Elle me dit ça. « Vous ferez du cinéma !» D'ailleurs, elle me vous voit, je suis une petite gamine. Quand vous l'imitez, on dirait qu'elle est folle. Et c'est ce qu'on a cru pendant toutes ces années. C'est-à-dire que ça a duré 10 ans pendant lesquels elle s'entêtait à me dire « Vous ferez du cinéma !» Et nous, on était complètement... Dans la famille, c'était un peu la blague récurrente. Tu sais quoi, Myriam Bru, elle s'appelle donc Myriam Bru, elle a encore appelé, elle voudrait te faire faire des essais, etc. Alors elle raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais que j'aurais refusé La Boum ou des films comme ça. Je ne m'en souviens pas, donc je ne peux pas le... Mais à l'époque, j'étais complètement dans la danse. Et puis, j'ai mon premier prix de conservatoire. Elle est là. Je sors de scène, j'ai mon premier prix. Je suis hyper fière. Quel âge ? Là, je dois avoir 16 ans. C'est l'accomplissement là, de tout ce travail. Elle me dit, vous verrez, vous ferez du cinéma. Je me suis dit, mais c'est complètement taré. C'est énorme. Et je commence à travailler comme danseuse. Et j'ai un super niveau. Je vais aux États-Unis. J'obtiens une bourse. Je me retrouve à New York, au New York City Ballet School. Donc ça, c'est vraiment le top, quoi. Je reviens, j'ai un niveau de malade. Et je me retrouve à bosser, notamment comme figurante, dans une opérette au Théâtre du Châtelet. Donc la loose. Pourquoi ? La loose. Il n'y a pas de travail, donc je prends ce qu'il est. Non. Il est en Un petit peu quand même. Ça pique pas. Hein, ça pique pas. Donc je suis un peu déprimée, et là, Myriam Bru, qui est devenue agent entre-temps. Pourquoi il se marre? Est-ce qu'il est en larmes? Je suis en larmes. Elle t'émeut, mon histoire. C'est ça. La fille qui croit que c'est... Que l'émotion, attends. Non, je sais, ouais, je sais. Non, mais au milieu de la phrase. C'est très touchant. Et donc, elle me rappelle à ce moment-là. Elle me dit, cherche une blonde pour un film et qu'il faut parler anglais. Donc, je ne parlais pas un mot d'anglais à l'époque. Je suis absolument... Je suis pas blonde comme... Voilà. C'est drôle comme elle dit ça. Et allez-y, elle les avait eues à l'usure. Et j'apprends le texte en phonétique. Donc, je vais faire les essais complètement convaincue que ça ne marchera jamais. Et ça marche. On vous prend. Et je suis choisie. Et je fais un film qui s'appelle Nemo, où j'ai le premier rôle en anglais. J'apprends phonétiquement mon texte à l'époque, puisque je ne parlais pas anglais. Avec plein des acteurs exceptionnels. Il y avait Carole Bouquet, Michel Blanc, Harvey Keitel. Il y avait une sorte de mélange comme ça de... Incroyable. Il y avait le premier rôle. Oui. Mais alors, vous qui êtes si timide, vous retrouvez comme ça face à des acteurs confirmés sur un tournage avec un rôle important. Donc, comment on vit ça? Parce qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur quand même, où on se trouve légitime? Je me dis, je comprends pas trop ce qui se passe. D'abord, je me retrouve avec des gens qui parlent. Donc déjà, ça, c'est une révolution. Et qui parlent, ça veut dire quoi? Parce que j'étais dans le monde du silence. Mm-hmm. Avec la danse, bien sûr. On va cuire. Alors, cuisson et puis apéro peut-être pendant ce temps aussi. Okay. Donc vous vous retrouvez dans un monde où on parle, donc ça c'est la première différence. Ouais, ça c'est déjà un choc culturel, j'ai l'impression d'être dans un autre monde où tout à coup les gens peuvent discuter, réfléchir à voix haute, s'interroger, se dire tiens ça je le ferais peut-être comme ça, oh non plutôt comme ça, enfin, c'est complètement surréaliste. Remettre en question ce qui a été dit. Ça, déjà, alors je trouve ça incroyable. J'ai mis... Oh, comment ils osent! Et vous qui êtes si timide de se retrouver devant une caméra? J'ai pas eu peur parce qu'en fait, ça m'a semblé tellement plus facile, finalement, d'où je venais.
En plus, on me faisait des compliments. Alors ça, c'était la première fois de ma vie. C'est pas fini, non ? Dites donc. Donc, on me disait que c'était bien, tout ça. Et ça, vous l'avez jamais entendu ? Mais jamais. Parce qu'à la danse, on dit jamais c'est bien. Jamais. Après ça, évidemment, quand j'ai fait mon premier film, après, je me demandais, mais comment je vais faire ? Est-ce que je retourne dans le monde de la danse ? Là, il y a un vrai dilemme ? Ah, il y a eu un dilemme, ouais, pendant des mois. Je me suis demandé. Bah, oui, parce que j'avais quand même un acquis derrière moi de technique. Oublier tout ça, tout à coup. Vous avez investi des années de votre vie dans la danse. Oui, alors, tout à coup, renoncer à tout, c'est quand même lourd. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, bah, je vais prendre des cours, en fait. Et je suis allée prendre des cours. Je suis allée au cours Florent. J'essaie de... Je regardais tous ces apprentis acteurs, pour moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en vacances. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils foutent rien, quoi. J'étais hallucinée. Surtout, je les vois trouver leur notion à eux de difficulté. Ouais. Elle me semble complètement dérisoire. Je les vois en train de dire, c'est dur, là, je dois tenir le verre et marcher en même temps. Oh là là, je me dis, Parce qu'on se demande ce qu'on apprend dans un cours de... Qu'est-ce que vous découvrez dans un cours de comédie ? Je découvre qu'il y a beaucoup de glandure. Oui. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de fils à papa. Je trouvais que ça se la coulait douce. J'étais quand même un peu globalement énervée tout le temps, quoi. D'accord. Donc là, vous commencez. Et à quel moment vous prenez la décision ? Vous dites, bah voilà, je vais essayer d'être actrice. Mais en fait, j'ai pas l'impression de l'avoir prise vraiment. J'ai l'impression que c'est plus mon agent, quoi. C'est Myriam Bru qui me dit que je suis faite pour ça. Et puis les autres qui me disent que c'est bien. Moi-même, je ne me serais pas autorisée à le penser toute seule. Et alors, le deuxième film, c'est quoi ? Le deuxième film, c'est un film qui s'appelle Life Force. En anglais encore ? En anglais. Pourquoi vous rigolez quand vous dites le titre de ce film ? Parce que c'est un film que... Enfin, ça fait exactement 30 ans que j'essaie de l'oublier. Et 30 ans qu'il y a au moins... Parce que c'est... Alors, je t'explique. Oui, on voudrait comprendre pourquoi vous essayez de l'oublier. C'est un film où je n'ai ni dialogue... Ni costume, voilà. Ah, il est percuté bien. Tu vois ? D'accord, faut que je regarde. Non, mais bon, voilà, c'est un film, en fait, qui a un public. C'est un film de science-fiction, donc c'était pas du tout un film érotique. Ah, mais ça, je n'en ai jamais vu. C'était un film de science-fiction où je jouais une alien, une créature de l'espace qu'on découvre comme ça, nue, morte. Et on croit que je suis morte, mais haha. Sous le titre, il y avait marqué « In the blink of an eye, the terror begins ». Ça veut dire ? Au clignement d'œil, la terreur commence. Et il y a un public de fanatiques de ce genre de film pour qui je suis une idole. Et donc là, vous sentez que c'est parti pour vous et vous vous retrouvez que dans des bons films au début de votre carrière ? Pas du tout, je fais plein de merde. Non, tu peux pas dire ça. Si. Vraiment. Je le dis et non, je tu le peux dis, pas dire ça. Et le premier l'assume. Était bien ? Le premier était bien. Le premier était très bien. Le deuxième... Film de genre, qu'on peut aimer, je comprends qu'on l'aime. Moi, j'ai pas trop ma cam, je comprends qu'on aime ce genre de film. Après, j'ai fait plein de films, des téléfilms, et à l'époque, la télé, c'était vraiment pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, je fais mes gammes, en fait, parce que les films sont peut-être pas terribles, je fais des télés, mais j'apprends les langues à chaque fois, donc ça, c'est intéressant. Vrai. Je me retrouve les à Rome, paf, j'apprends l'italien. Je me retrouve à Londres, j'apprends l'anglais, j'apprends un peu l'allemand, l'espagnol, enfin... Voilà, je... Du débrouille, c'est bien. Je me dépatouille et puis j'apprends le métier. Puis ouais, c'est ça, l'expérience, quoi. Ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Je me dépatouille. C'est un patois, ça. Hein. Ça te parle, ça. On va essayer de comprendre comment vous faites pour avoir un César et être considéré comme un espoir du cinéma français quand on fait que des merdes. On en parlera pendant le dîner. Quand même, c'est intéressant de savoir ça. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse à vous, qui montez à Paris, on l'a dit tout à l'heure. Oh, moi, je vous laisse. Je voudrais qu'on s'intéresse à vous parce que on vous a vu monter à Paris, on vous a vu à 14 ans. À quel moment vous commencez à sentir les espoirs des gens autour de vous ? Très tôt, 16-17 ans. J'ai joué mon premier Roland Garros à l'âge de 16 ans. En 89. C'est fou. C'est dingue. Et je me retrouve d'un coup avec beaucoup de responsabilités à devoir répondre à des journalistes. C'est quoi, alors j'adore parce que le langage corporel, donc vous froncez les sourcils. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais beaucoup de responsabilités. Quand vous arrivez à Roland-Garros, vous jouez devant, je sais pas, 5-8 000 personnes. Vous vous rappelez de vos premières interviews, des premiers micros tendus, les premières conférences de presse? Exactement. Je me souviens de ces premières conférences de presse après la défaite à Roland-Garros. C'est difficile parce qu'au départ, j'étais assez maladroit. En plus, un peu timide, moi aussi. Je débarquais de ma province, je dois répondre, puis je suis très intimidé, je comprends pas ce monde qui m'est complètement inconnu. Et qui juge, je trouve, parce qu'en fait, et qui juge tout ce que vous faites. Qui juge ma performance,
Les jugements sont toujours excessifs. Et ça, je l'ai très mal vécu. Par exemple. C'est-à-dire que ça peut être Santoro est un génie, il va faire ceci. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et ça peut être 6 mois plus tard, c'est vraiment une merde, il est bon à rien, il réussira jamais. Je suis toujours pas d'accord. Mais il marque pas ça comme ça. Ah si. Ils sont très souvent dans l'excès. J'ai pas mal dérouillé avec les journalistes en début de carrière. Parce que je prenais ça premier degré en permanence, à cœur. Mais il y a de quoi. Et puis, et à l'inverse, ça, c'est, après, ça a basculé en deuxième partie de carrière où je trouvais ça. C'est devenu un jeu. Ah ouais. C'est devenu un jeu avec le temps. Et j'allais plus volontiers aux conférences de presse, parce que nous, c'est systématique après les matchs. Hein. On est obligé de répondre aux questions, même si vous n'êtes pas d'humeur. Pas d'humeur, et si on n'y répond pas, on prend une amende. Ah bon ? Ah oui, on est obligé d'aller en salle de presse après les matchs. Nous tous les trois en même temps. Ah bon ? On est obligé d'aller en salle de presse après les matchs. Bon. Il y a plein de gens qui croient en vous, et pas n'importe lesquels. Il y a même votre idole, celui qu'on a vu tout à l'heure gagner Roland-Garros en 83. Là, vous avez 19 ans, c'est ça ? En 91 ? Oui, j'avais dit 18, 19 ans. Ouais. Et donc, comment ça se passe ? Racontez-nous le contexte, c'est la Coupe Davis. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en mai 1991, je suis sélectionné pour la première fois en équipe de France. Yannick Noah qui vient de mettre un terme à sa carrière et qui est en pleine promotion de Saga Africa. Yannick, donc le capitaine de l'équipe de France, il me sélectionne et je me retrouve à jouer dans les arènes de Nîmes. Et le dimanche, les deux équipes sont à 2 points partout, France-Australie, et je dois jouer le match décisif. Et je me retrouve dans le vestiaire, seul avec Yannick. Et c'est difficile parce que j'ai d'un côté la responsabilité de qualifier l'équipe de France, et cette responsabilité-là, je l'aurai avec Yannick sur la chaise, qui est un peu mon idole, quoi. Donc là, il y a l'équipe qui compte sur vous, la fédération, mais tout le public français. Parce que là, c'est l'équipe de France, on l'a dit, donc c'est le pays là, qui est engagé. Là, c'est l'équipe de France, et quand on joue pour l'équipe de France, c'est pas pareil du tout. C'est-à-dire, quand je suis en tournoi, j'entends « jeu Santoro », je suis content, mais quand on entend « jeu France », on sent que c'est un peu plus important. On sent que l'affaire est grave, il joue. Ouais, non mais... Et puis je rentre sur le terrain avec le survêtement, c'est une lourde responsabilité. Le survêtement, le drapeau, la Marseillaise, enfin les hymnes avant les matchs. Et on sent qu'une défaite aurait plus de conséquences que qu'en temps normal sur un tournoi classique. Et quand je rentre sur le terrain, je me rends compte que ben voilà, quoi, j'ai tout sur mes épaules. Soit le parcours de l'équipe de France s'arrête. Non, purée, la responsabilité. Oh, la pression. Soit ben, je permets à l'équipe de France de continuer son aventure. Et ce match se goupille assez bien au début, se complique au milieu et finalement je sors vainqueur. Et ça me donne un peu la chair de poule, c'est 91. Et 6 mois plus tard, après, elle est qualifiée pour la finale à Lyon face aux Américains. Et c'est une Coupe Davis qu'on remporte. La France remporte la Coupe Davis. Et c'était la première fois. Et la France remporte. La France la remporte la Coupe Davis, c'est la première fois depuis 59 ans. 59 ans. C'est un événement dans le sport national et sans vous, ça n'aurait pas pu arriver. Bon, on regarde une vidéo où Yannick Noah vous rend hommage à l'époque. Regardez, vous allez me dire ce que vous ressentez. Fabrice, qui joue très bien l'entraînement, qui est jeune et qui est quelque part l'avenir de notre tennis. Je pensais que c'était bien que de le mettre tout de suite dans le bain. Dans le bain, avec toutes les responsabilités sur les épaules. Ce lutin réservé se bat sur toutes les balles. Sa victoire est celle du courage. Il justifie sa sélection. Coup de chapeau à un maître à qui il doit beaucoup, Yannick Noah. 6-3. Une histoire d'homme. Celle de Santoro, roi de l'arène. Oh là 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 là. Oh, merci pour ce beau cadeau. Ça fait quoi de ressentir Ça fait quoi vous ressentez quoi là? T'avais pas revu ça? Non, jamais, c'est jamais. Je regarde jamais les vidéos, les anciens reportages ou quoi que ça. J'ai du mal. Donc tu t'es jamais vu? J'ai déjà vu c'est la balle de match, mais pas l'interview de Yannick avant, pas les mots qu'il avait prononcés pour expliquer ma sélection. Et c'est très bizarre parce qu'en fait. Je vous ai parlé avant de toutes ces années dans les différentes structures de la fédération, etc. Mais ma carrière, pour moi, elle a commencé ce jour-là, quoi. Enfin, c'est ce jour-là, je pense, que les gens m'ont découvert. Le public vous a découvert, monsieur. Le public m'a découvert ce jour-là, de mai 91, dans les arènes de Nîmes. Mais finalement, je pense que c'était une chance d'être si jeune, d'avoir 18 ans, parce que j'étais un petit peu inconscient. Je pense que 3 ans plus tard, je l'aurais perdu, ce match. Puis je me souviens, le lendemain, quand j'étais rentré à la maison, et que j'ai vu des articles de presse, alors là, encensés pour le coup. Hein, ça. Oui, on a dit le roi de l'arène. Ouais. Et vous avez entendu les gens, Fabrice à la fin. Enfin, c'est même pas un rêve, quoi. C'est surréaliste. C'est un truc que vous avez ressenti ? Est-ce qu'il y a des équivalences ?
Ah, mais oui, on n'est pas préparé. Quand tu passes de l'anonymat, tout de suite, t'es connu, les gens t'arrêtent dans la rue, te témoignent de la sympathie, veulent discuter avec toi. C'est avec le plus grand des plaisirs, mais au début, tu comprends pas pourquoi, en fait. Bon, on en parlera pendant le dîner. C'est déstabilisant. La suite est intéressante. C'était vos débuts. Ouais. Mais les coulisses de la gloire, ça m'intéresse vraiment. Et quand on est le roi de l'arène, donc toutes les attentes doivent être assez difficiles à porter sur les épaules. Moi qui ai très peu d'odorat, je le sens. C'est vrai ? Ouais, ça sent. Moi, ce que j'aime, c'est que vous avez dit en toute simplicité un truc campagne, réchauffe, hein ? Oui, j'ai un petit velouté. Oh, un petit velouté. Alors ? Ça déchire ? Mais j'ai pas de mots. C'est là que je manque de vocabulaire. Mon Dieu ! Oh, c'est gourmand, quoi. Ah ouais. C'est pas possible. Non, il connaissait son effet. Regardez la tête qu'il fait. Il sait exactement. Mais parce que j'aime ce plat. Je sais que ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, bon. Ça marche, c'est bon. J'ai inventé un mot pour ça. Je peux vous le dire. La gouissance, qui est un mélange de goût et de jouissance. Ah, et donc là, je gouis. Voilà, je gouis. Mais vous gouissez élégamment, je trouve. Je gouis, voilà. Ah, franchement. C'est quand même. C'est vraiment très, très incroyable, les sensations. Vraiment. Donc, Cyril, comment on fait pour devenir un jeune chef, on l'a dit, dynamique, qui en veut, qui se retrouve chef à 25 ans, et on se retrouve à la télévision du jour au lendemain? C'est vraiment le hasard, mais je pense que... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Je dis toujours ça, c'est assez amusant, mais pour le coup, j'étais chef dans ce restaurant. Donc, le restaurant des Guetta. Et la... La directrice de la communication, son amie travaillait dans une société de production qui devait produire un programme de cuisine qui aurait dépoussiéré un peu les émissions de cuisine, puisque c'était vraiment de monter le restaurant en donnant la chance à des jeunes, comme finalement à moi, on m'avait donné ma chance. Et lorsqu'on est venu me proposer de faire de la télé, je lui ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la télé? À la base, je suis plutôt réservé. Alors, ça fait rire tout le monde. Hein. Ah, c'est bon, il faut rire. Non. Mais je suis, normalement, vous le croyez ? Je suis timide. Je ne crois pas une seconde. Non, parce que je me suis soigné. OK. Les premiers. On vous écoute en même temps, hein, mais on mange. Les premières. Première émission. Toujours de la première émission. Rien que de savoir les caméras me regardant, je ne savais même plus marcher. Quoi. Je me disais. Ça m'arrive même aussi, comment marcher. Je ne savais plus. Je voyais du monde autour de moi. Il y en avait partout. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Je me sens pas à l'aise, quoi. Sorte de pression. Et donc, le réalisateur, le rédacteur en chef, voit ça et me dit, mais attends, viens, on va s'asseoir. Il pose une caméra et on discute tous les deux. Et j'en oublie la caméra. Et après, je me dis, bon, je vais vivre ma vie sans penser aux caméras. Et on a démarré comme ça et ça a fait un carton. C'était la première émission de télévision en France à avoir un succès. C'était à quoi, 20h50? C'était un prime, hein, 20h50. 20h50, donc. Et donc, du coup, derrière ça... J'ai enchaîné d'autres émissions où là, je donnais des cours de cuisine à des invités qui venaient prendre des cours de cuisine. Et c'était formidable parce que je découvrais que mon métier, c'était cuisinier, mais que le vecteur média pouvait être mis là pour la transmission du savoir, le partage de la cuisine et désacraliser un peu la cuisine puisque on parlait toujours de cuisine qu'avec des grands chefs et surtout... les gens avaient peur de cuisiner. Donc tout ça a du sens pour vous. Finalement, c'est ça que vous dites, hein, c'est que ça a du sens, c'est cohérent, ça vous paraît naturel, c'est votre naturel qui charme. Donc c'est difficile de choisir, parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions de télévision à 20h50, gros succès. On va montrer juste un extrait pour montrer que vous n'êtes pas tout le temps à l'aise non plus. Heureusement, vous êtes un peu un être humain. Ouais. Regardez les images. Alors, on met la mienne et tu mets la tienne. Non, voilà, j'aime bien t'arroser. Hein. Ah oui. Ah, c'est froid. Attention. Arrête! Tu as tiré les filets. Tu as démaillé les langoustes. Tu vas pas être capable de la prendre dans le vivier. Ça me fait flipper quand ça bouge, quoi. Chope-la franchement et tu vas pas te faire mal. Franchement, par la tête. Serre bien la tête. Voilà, serre bien la bien. Plus tu la serres mieux. Et voilà! Bon, attends. Elle va s'emballer. Hein. Mais non, parce qu'il y a une technique. C'est quoi la technique? Eh bien, la technique, pas que ça s'emballe langouste. Tu la tiens par la tête. Tu mets la tête en tenant bien la queue, d'accord?
Tu la laisses mourir. Oh, c'est cruel, non? Tu la laisses mourir lentement, tu l'as. Donc, la même méthode que tu m'as appris, hein. Tu la tues comme ça. Vas-y. Allez, allez. Voilà. Tiens-la encore. C'est bon, elle est morte, là. Quelle force, c'est ça! Voilà. Mais ça, c'est tout moi. C'est un extrait. Pour montrer qu'en fait, vous êtes aujourd'hui, qu'il y ait des caméras ou qu'il n'y ait pas des caméras, c'est ouais. Un peu la même chose pour vous aujourd'hui. Mais quand je regarde ces images, je suis content et même fier de ne pas avoir bifurqué et de ne pas m'être perdu dans les rouages de la médiatisation, de la prétention, de faire toujours attention à ce que l'on fait. Là, on cuit une langouste, ben j'ai peur des langoustes, ça éclate. Ben, c'est comme ça, c'est moi, et voilà. En toute modestie, vous avez le sentiment que finalement, vous avez été un peu un précurseur en France, vous avez glamourisé cette matière? C'est toujours difficile de dire ça. Moi, j'ai du mal à parler comme ça, à dire c'est moi qui ai fait. Si je devais résumer, une de mes belles fiertés, c'est d'avoir valorisé mon métier. Et surtout, d'avoir mis un peu les gens à la cuisine, parce que bien se nourrir, c'est être en bonne santé. Et c'est aussi retrouver le plaisir de manger tous ensemble à table et de partager des choses. Il parle comme un livre, le petit. Non, mais j'aime bien, ça me fascine. Mais non, mais vous êtes habité, c'est formidable. Et alors? Ouais, ça doit être ça. C'est ça? Je suis habité. Non, mais... je suis pas tout seul là-haut. Non, mais c'est ça, vous êtes incarné, en tout cas. Mais, évidemment, ça, c'est le monde merveilleux que vous voulez nous décrire. Et puis, on se dit bien que l'être humain, c'est l'être humain. Et des cuisiniers, comme vous dites, il y en a plein en France, des chefs, il y en a plein en France qui étaient là avant vous, qui avaient fait leur classe, qui étaient célèbres dans le monde entier. Et alors, comment vous vivez pendant pas mal d'années l'idée que vous n'obtenez pas d'étoiles? Vous dites, c'est pas important pour moi ou... Ah non. Je me dis, j'ai pas le niveau. Donc pendant des années, j'ai pas l'étoile, mais j'ai ouvert le restaurant 8 ans en arrière. Avec la télé, on faisait de la brasserie, parce qu'on faisait avec les moyens du bord, avec le prix moyen du restaurant, et les gens venaient manger. Mais dès que je mettais un pied dans la salle, les gens se levaient. Donc je voulais te voir, et je trouvais ça très gentil. Mais c'était pas... Je cherche le mot. Mais c'était pas, ce que je voulais. Moi, je voulais que les gens ils viennent manger ma cuisine, je voulais pas qu'ils viennent me voir moi. Je m'en moquais de moi. Moi, je voulais qu'ils viennent voir le travail de l'équipe, notre travail. Donc ça a mis quelques temps. Et ça a été l'évolution. Et après, petit à petit, la notoriété s'est apaisée. Et puis ça a commencé à tourner. On commençait à enlever l'image de juste le chef cathodique qui faisait de la télé. On commençait à avoir des beaux papiers dans de la presse professionnelle. Et puis on a commencé à travailler. Puis j'ai réinvesti de l'argent dans le restaurant. Et en 8 ans, je n'ai jamais cessé de penser à cette étoile. Et, c'est important, ça. Oui, c'est important. C'était mon rêve. Et je n'ai jamais cessé de penser à ça. Et après, l'étoile, elle vient... quand ta cuisine le vaut. J'adore, on dirait Fernandel qui parle, d'un sens super poétique. Et après, l'étoile, le vient. Le vient. Non mais alors voilà, et l'étoile est arrivée quand alors? L'année dernière, au mois de mars. Comment vous la prenez en fait? Je suis dans l'Aveyron, le téléphone sonne, et je me dis, tiens, bon, c'était une journaliste. Elle me dit, le communiqué de presse vient de tomber, tu as l'étoile. Ah, je dis, non. Non. Arrêtez vos bêtises, là. Non, c'est pas vrai. Et donc, une demi-heure après, le téléphone, les messages, tous les grands chefs, Alain Ducasse, Yannick Quénineau, ouais. Georges Blanc, tous les grands chefs, t'envoient un message, félicitations. Oh non. Ça y est. C'est beau, ça. Ouais, c'est incroyable. Hein, c'est un truc. Moi, j'étais fou, quoi. C'est une récompense incroyable. Et qui plus est pour moi, qui est démarré tellement différemment, je suis tellement en dehors des clous. Normalement, on est reconnu et après on est connu. Et moi, j'ai été connu avant d'être reconnu. Donc j'ai pris l'inverse. Mais j'ai jamais cessé de croire que je l'aurais, cette étoile. C'est ça qui est fou. Et que je lâche pas, quoi. Auriez pu abandonner l'idée. Vous auriez pu vous résigner en disant, bah voilà, non, c'est ma vie, ma carrière est différente. Je veux pas abandonner, quoi. Parce que c'est le travail, tellement de labeur, tellement de dureté, tellement de rigueur envers mes cuisiniers, tellement de journées passées. Et il y a un bon Dieu pour les courageux, moi, je dis. C'est joli comme phrase. Un bon Dieu pour les courageux. Il y a un bon Dieu pour les courageux.
Bah, c'est un peu comme dans votre métier. Il y en a qui ont le succès public, d'autres le succès critique, et avoir les deux, c'est très compliqué. C'est rare, même. Vous, c'est Claude Chabrol. Vous avez dit, bon, moi, j'ai fait au cinéma. Au début, on a vu quand vous étiez passé de la danse au cinéma, hein, donc, parce qu'il y a une femme qui a cru en vous depuis toujours. Vous acceptez tout parce que vous ne savez pas dire non, parce que vous ne savez pas dire non, puis vous êtes flatté qu'on vous propose, vous dites. Oui, puis je trouve ça incroyable. Bon. Et il y a un homme qui s'appelle Claude Chabrol, c'est pas n'importe qui, c'est un monument du cinéma français, qui vous voit, dites-vous, dans un mauvais téléfilm. Oui, parce qu'il était très téléphage. Lui, vous propose un vrai film, qui est reconnu. Qui Mais alors, l'air de rien, qui s'appelle Le cri du hibou. Et l'air de rien, il me reçoit dans son bureau, il me dit, voilà, j'ai un scénario, il y a un rôle, comme ça, tu liras. Mais vraiment de façon très anodine et presque... Et moi, je me suis dit, c'est un petit truc, quoi. Il n'y a pas d'essai, pas de... Et je lis, et je vois ce rôle magnifique. Il m'offre ça, mais sans aucune... en toute confiance. Donc, les choses se sont faites de façon très spontanée, très fluide. Et je n'ai pas vraiment réalisé... comment dire, l'extrême bonheur que c'était de travailler avec lui sur le moment, j'ai cru que le cinéma était comme ça. C'était un rêve, on mangeait, on se régalait à manger. Il m'adorait d'ailleurs pour ça, parce que j'ai une capacité à manger hors norme. Et que donc, quand... Peut-être fait pour vous entendre. Surtout que, je ne veux pas lancer le débat, mais vous devez avoir forcément un avis sur le sujet. J'ai lu partout qu'il y avait un rapport direct entre notre manière de manger et notre sexualité. Ah, ah. Sans blague. Alors ça, je ne sais pas. Vous êtes d'accord? Oui. Ah bah évidemment. Mais c'est un rapport au plaisir. T'es un bon vivant, quoi. C'est un rapport au plaisir, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un peu lié. Ah, ouais. Évidemment. C'est un peu lié. D'accord. Je sais d'accord. Pas si vraiment... Non, mais je m'étais jamais posé la question. Mais maintenant qu'on en parle, je trouve ça assez logique. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pesiez vos aliments. C'est-à-dire que voilà, je prends un petit peu ça pour une attaque personnelle. Quand même. Non, c'est une question, puisque c'est vous qui confirmez. Bon, alors, le cri du hibou, c'est Claude Chabrol, encore une fois, qui se moque de savoir ce que vous avez fait, ou accepté ou pas. Lui, il vous choisit. Et du coup, vous êtes dans ce film parfaite, à tel point que ceux qui sont les plus difficiles à convaincre, c'est ce qu'on appelle les pères. On en parlait toute la soirée. Vous n'étiez pas reconnu par vos pères. Là, vous êtes reconnu par vos pères, parce que c'est eux qui votent au César, et ils vous attribuent le César du meilleur espoir. On regarde ces images et vous nous racontez les coulisses de ça. La gagnante est Mathilde Amet dans Le cri du hibou. Que j'ai tourné avec lui, d'ailleurs. Après, ouais. Il était dans Le cri du hibou. Ouais. Incroyable, là, ce qui doit se passer. Je suis sûr que vous ressentez la même chose que ce jour-là. Merci, je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont cru en moi. Et je remercie d'avance tous ceux qui ne croient pas en moi, mais qui sont prêts à changer d'avis si je réussis à leur prouver à quel point j'aime ce métier. Et à quel point mon ambition est de continuer à bien le faire. Merci. Là, on sent des applaudissements nourris, ce qui n'est pas toujours le cas au César. Ah oui, vous trouvez? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment précis? Ah, je suis complètement dans un état... Ça me fait toujours bizarre d'entendre les gens dire oui, non, un prix, etc. Si ça m'a fait quelque chose, j'étais tellement... j'avais un petit complexe d'imposture quand même, parce que je venais d'un autre milieu, j'étais pas sûre d'être complètement à ma juste place. Donc c'était comme une sorte de bienvenue franc, massif de la profession. C'est quelque chose de très important. Et alors ça s'enchaîne avec d'autres rencontres incroyables. Donc c'est Jacques Demy, 3 ouais. places pour le 26. Ouais. Partenaire Yves Montand, oh, bah ça. Qui est plus qu'une star, c'est un monument, Yves Montand, en France. C'est au-delà. Et donc, à côté de nous, la rencontre avec Yves Montand, quand on est une jeune comédienne toute fraîche. Mais dans un état... Parce que vraiment là, j'avais, malgré mon jeune âge, complètement conscience de ce que représentait Yves Montand. C'était une rencontre magique parce que c'était au-delà du contexte du travail, on est devenus un peu amis. Il m'a raconté beaucoup d'anecdotes, je le faisais parler beaucoup, j'écoutais énormément et j'en ai vachement profité, quoi. Et on va l'écouter, lui, en train de parler de vous, à l'époque. Oh. C'est incroyable, ça. Je voudrais aussi dire deux mots de Mathilde Amet, si vous voulez. Mettez sur le terrain de Mathilde Amet, je vais être intarissable. Oui. Elle danse comme une professionnelle et elle joue merveilleusement bien la comédie. Et je trouve que le fait qu'elle chante vraiment d'une façon amateur, moi, ça me touche plus que si elle avait chanté comme Judy Garland.
Parce que comme dans le film, elle travaille dans un salon de parfumerie, elle chante comme elle chante, comme Judy Garland, qu'elle danse comme une déesse et qu'elle est belle comme elle est, qu'elle joue bien la comédie, on se dit qu'est-ce qu'elle fait dans ce magasin de parfumerie. Oh, j'avais jamais vu ça. Ça me fait un effet terrible, hein, parce que vraiment, à entendre Montand parler de moi... En tout cas, c'est beau, hein. Ouais, ça fait beaucoup d'effet, ouais. Ah ouais. Mais j'aurais dû voir ça avant, j'aurais aimé voir ça avant, ça m'aurait donné plus de... D'énergie. De confiance, non, mais parce que c'est vraiment là où j'ai eu le plus de... Ce qui m'a demandé le plus de travail, finalement, c'est d'acquérir la confiance. Donc, juste une phrase comme celle-là, si je l'avais eue, ouais, si j'avais entendu plus tôt... C'est bien de pas avoir la confiance aussi. Parce que finalement, comme t'as pas la confiance, mais tu te surpasses. Vous avez eu également comme partenaire Bruce Willis et Richard Gere. Donc, racontez-nous, ça s'appelle Le Chacal. Ouais, The Jackal. Mais enfin, là, je passais. Hein. C'était vraiment un film de mec, un film d'action. Moi, j'étais un peu de passage dans ce film. Mais enfin, j'ai adoré cette expérience. Voir des Américains travailler, c'est un autre monde. Hein. Chacun a sa propre équipe. Willis avait 8 ou 9 personnes avec lui. C'est des équipes par acteur, quoi. D'avocat assistant, de cuisinier, ouais. Coach. Enfin, chacun avait son... C'était un peu chacun pour soi. Ça fait longtemps, ce film ? Bah, j'étais enceinte de mon fils qui a maintenant 16 ans, donc il y a 16 ans. Et alors, justement, vous parlez de ça, de cette vie privée qui va gérer dans votre vie. Vous avez 2 enfants aujourd'hui, hein, c'est ouais. Ça ? Qu'est-ce qui se passe pour que vous disparaissiez pendant quasiment 10 ans ? Je pense que ce serait plus flatteur si je disais que c'est un choix. Mais si je suis vraiment honnête, c'est pas vraiment le cas. D'abord, je suis complètement happée par la maternité qui provoque un séisme. Colossal. Puis vous savez comment ça se passe, ça va très vite, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre un peu de recul, on vous voit moins, moins on vous voit, moins on a envie de vous voir, et puis ça crée une forme de distance, et puis on passe à autre chose. Simplement, se passer à autre chose, c'est compliqué à vivre. Et j'ai essayé de comprendre un peu mieux, j'ai fait tout un truc, ça m'a pris du temps, et puis finalement, j'ai décidé... En fait, j'ai 3 périodes de vie, si je devais résumer. Il y a une période de vie dans le silence. Il y a une période de vie où je raconte les histoires des autres. Et puis là, je suis plus dans une phase où j'ai envie, moi, de raconter des trucs. C'est ça. Quoi. Alors donc, ce qui est, j'ai envie de dire, votre renaissance, on va dire, dans ce métier, c'est par l'écriture. Ça vous moi, j'ai d'abord, que c'est une naissance. C'était votre corps, la danse, ensuite c'était votre image. Et là, ensuite, c'est vous qui écrivez. Et là, il y a un éditeur qui vous donne confiance en vous. On va écouter cet homme, cet éditeur qui parle de vous, qui dit un petit mot là-dessus, puisqu'il sait qu'il a joué un rôle dans votre vie important. Ben ouais. Bonjour Mathilda, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, un peu de ton intimité, d'un souvenir qu'on a en commun. Tu t'es prise au jeu d'écrire ton premier roman. Ce premier roman qui est devenu Personne ne le saura, et en fait tout le monde l'a su, puisque le livre a été très bien accueilli et apprécié. Moi, ce que je trouve fort dans l'histoire qu'on a eue tous les deux, si je peux dire, hein, tout bien tout honneur, c'est que j'ai l'impression que ce livre, il t'a prouvé que tu étais capable de mener quelque chose toute seule, qu'avec la discipline que tu as eue toujours dans la danse et l'énergie que tu as pu mener à bien effectivement l'écriture qui est un travail en solitaire, et que la confiance que tu as acquise, ça t'a donné des ailes pour faire d'autres choses. Ça t'a permis ensuite d'écrire et créer ta propre pièce, de monter sur scène dans un rôle comique, vraiment de t'aérer presque et de t'ouvrir les esprits à d'autres univers. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Le seul problème aujourd'hui, c'est que, on aimerait bien que tu penses aussi au second roman. Bon, je sais que tu es débordé, mais là, c'est un message que je t'adresse devant tout le monde. Le second, on l'attend. Je t'embrasse. C'est prévu ou pas ? Chouette. Oh, ça fait tellement plaisir. Et c'est vrai ce qu'il dit, ça a été le départ d'une nouvelle vie. La suite logique, on trouve ça naturel, en tout cas, après avoir écrit un roman, puisqu'elle est comédienne, c'est d'écrire quelque chose qu'elle va pouvoir jouer. Donc là, vous co-écrivez avec Pascal Légitimus une pièce de théâtre. Au début, j'écris d'abord seule cette idée. Une amie me dit « tu devrais lui en parler, c'est une bonne idée ». Ah bon, bonjour monsieur, voilà mon idée. Le concept est très simple, c'est toutes sortes de rencontres amoureuses. Et au fur et à mesure que je lui parle des personnages, je dis par exemple le type, ce serait un pied noir. Il me fait, tu veux dire un pied noir qui parle comme ça ? Il devient à chaque fois les personnages que je lui... Je me dis, merde, mais c'est un super acteur et tout. Il me dit, qu'est-ce que vous attendez de moi en fait ? Et là, je m'entends dire, mais qu'on l'écrive et qu'on le joue ensemble. Et ce sera un énorme succès.
Combien de représentations, combien de spectateurs? Je sais plus, on a joué 3 ans. Ah ouais, les affiches étaient là depuis. Ça a été jamais. Énorme. C'était dingue. Plus si affinité. Vrai, ouais. Et puis là, vous entendez les rires, quoi. C'est tonitruant, c'est spontané, ça échappe aux gens. Kiff. Mais vous savez que la première fois que j'ai entendu les gens rire, j'ai eu peur. Parce que entendre une salle qui rit fort c'est en même un tonnerre, temps. Mais j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai regardé Pascal, il a vu, dans la, il a vu la panique dans mon regard. J'ai cru que j'avais un truc, la braguette, je sais pas. C'était insensé. Et après, c'est une cam, c'est-à-dire. C'est une drogue. Oh. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut se donner les moyens d'entendre sa petite voix intérieure qui vous dit des choses. On ne l'entend pas toujours, on ne s'écoute pas, on se met soi-même beaucoup de bâtons dans les roues. Je suis sûre qu'il y a plein de gens comme moi qui pensent, qui ressentent, qu'ils ont une capacité de faire quelque chose et qui ne s'y autorisent pas vraiment. Écoutez sa voix intérieure. Et moi, ma petite voix intérieure me dit que je mangerais bien des coquillettes. Ah ben voilà. Eh ben, j'y vais. On y va, on va y aller, on va vous accompagner. Bon, on y va en chenille, même si tu veux. C'est coquillette, donc coquillette, rappelons-nous, coquillette, jambon, truffe. Et crème. Wow. Et la crème, c'est quoi déjà? Une crème avec un jus de veau et de la truffe. D'accord. Bon, Fabrice, Yves Montand a marqué effectivement Mathilda. Yannick Noah, c'est en 91. Mm-hmm. Et pourtant, dans votre carrière, vous dites, j'ai commencé à exister vraiment sur les cours à partir de 97. 97, c'était une renaissance. Puisque de 89 à 96, j'étais déjà sur le circuit. J'étais un bon joueur, je jouais bien, mais je ne me voyais pas aller là où les gens me voyaient aller. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un titre de journal qui dit Fabrice Santoro, l'espoir du tennis français, ça vous mettait la pression? Ça me mettait un petit peu les chocottes, et puis surtout, je me disais que les gars qui faisaient le tennis de niveau, les meilleurs mondiaux, était meilleur que moi et que j'aurais du mal à les rejoindre parce que plus puissant, parce que plus costaud, parce que ça... Mais les gens autour, les médias, les gens de la fédération, les entraîneurs, les gens ne sont pas conscients? Les gens de la fédération me voyaient aller très haut, le disaient, et les médias s'appuyaient sur leurs déclarations pour cautionner, en fait. Ce qui me dérangeait, c'est que j'avais donc une pression énorme et permanente liée à leurs attentes. C'est ça qui est fou. Liée à leurs attentes. Mais au fond, ce que je leur ai jamais dit, c'est que... Moi, je ne me voyais pas aller si haut. Et puis déjà, pour moi, exercer ce métier, en faire gagner ma vie en jouant au tennis, c'était déjà énorme pour moi. Et même parfois, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais parfois, je suis sorti de terrain après les défaites, où j'étais très content et heureux de mon match, quoi. C'est-à-dire, j'ai perdu une fois à New York contre Federer en 2005. Ça n'a pas l'air mauvais, tout ça. Vous êtes perturbé par la truffe. On est perturbé par la truffe. Donc vous vous rappelez quoi de sortir Je me souviens d'un match on a perdu en 2005 à New York contre Federer, où c'était la nuit, il y avait 23 000 personnes, c'était une ambiance de folie. Et j'avais perdu, mais je suis arrivé au vestiaire avec la banane. Parce que cette défaite, pour moi, c'est comme une victoire. C'est même plus qu'une victoire. Pourquoi? C'est plus que de dizaines, centaines de victoires. Parce qu'il y a tout eu ce soir-là. Il y avait le plus grand en face. Il y avait la légende sur le plus grand cours, parce que l'US Open est le seul cours qui peut contenir 23 000 personnes. Il y a eu... Ce jour-là, j'ai joué peut-être le meilleur match de ma vie. Alors, ça n'a pas suffi, parce que j'avais un extraterrestre en face de moi, mais j'ai joué le meilleur match de ma vie. Et j'étais survolté. Ce jour-là, je me suis dit... Bon, mais OK, je l'ai perdu, mais j'ai fait le match de ma vie. Je ne peux rien changer par rapport à mes qualités, par rapport à mes moyens, par rapport à mon niveau. Je n'aurais rien pu faire de mieux. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. On va continuer la conversation là-bas, parce que je sens que c'est prêt. Ce soir-là, tu vois, j'ai... Il n'y avait rien à gommer, rien à changer. Et je me souviens, quand tu joues sur le central à l'US Open, t'as de grands écrans, et au changement de côté, ils te mettent des images de la foule qui danse ou qui chante, des images de stars américaines qui sont là. Et je voyais régulièrement Nicole Kidman qui était mais là. Mais non part. C'est vrai. Et ça mais me rendait non. dingue. Et moi, j'étais là au changement de côté, si tu veux, dans mon fauteuil avec ma bouteille d'eau. Et je voyais Nicole Kidman. Et je pouvais pas me concentrer. C'est énorme. Elle vous a regardé pendant combien d'heures? Elle m'a regardé pendant 3 heures. Elle a dû certainement regarder Federer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire j'ai été regardé pendant 3 heures par Nicole Kidman. Ah ouais, non mais... Alors, vous avez pris une décision importante dans votre vie. C'est qu'à un moment donné de votre carrière, votre papa, donc l'ouvrier des chantiers ouais. navals, va devenir votre entraîneur. Mmh. Ouais. En fait, quand je suis passé pro,
Je voulais que mon père m'entraîne. Et il m'a dit non. Je veux pas t'entraîner parce que j'ai mon travail. Je gagne ma vie en tant qu'ouvrier. Et si demain je t'entraîne, il va falloir que tu me payes. Parce que j'ai plus de revenus. Et je veux pas dépendre de toi. Ouais. Et en 97, alors que j'étais sur le circuit depuis 6-7 ans, j'ai eu envie de changer d'entraîneur. Je me posais beaucoup de questions. Et mon père était à la retraite depuis 2 ans. Et là, je suis retourné le voir. J'ai dit, papa, est-ce que tu veux m'entraîner? Il m'a dit oui, ok. Comme ça? Comme ça. C'était pas un entraîneur professionnel de professionnel? C'était pas un entraîneur qui connaissait le haut niveau en général, mais c'était un entraîneur qui connaissait son fils par cœur et qui m'avait donné ma première raquette. Et en fait, il me connaissait mieux que n'importe quel entraîneur de haut niveau. Parce qu'en plus, il me connaissait en tant qu'être humain, quoi. Il savait exactement comment me parler, comment me dire les choses. Et ces années où mon père m'a entraîné, on a eu des souvenirs extraordinaires parce qu'on est allé, je sais pas, 20-30 fois aux États-Unis. Alors que lorsque mon père a pris ma carrière en main, il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis de sa vie. Ah ouais. C'est beau, ça. Jamais. Ouais. On a fêté 20-30 fois là-bas, on était peut-être 7-8 fois en Australie, on a fait le tour du monde avec ma maman. Et puis, ce sont des moments, des échanges inoubliables parce qu'il y a eu, il y avait deux relations. Il y avait la relation joueur-entraîneur qui était très bonne. Puis il y avait la relation père-fils qu'il fallait aussi préserver. Et c'est ce qui n'est pas simple aussi dans la vie d'un joueur de tennis, c'est que chaque semaine, on débarque sur un tournoi. Et même si on est bon, même si on joue bien, ça se termine très souvent par une défaite. Et c'est chaque semaine comme ça. Donc, il y en a, à Roland-Garros ou sur les autres tournois, il y en a 128 qui jouent. Il y en a un qui soulève le trophée, il y en a 127 qui se remettent en question. Et c'est comme ça toutes les semaines de l'année. Et chaque lundi matin, les joueurs vont sur le site de l'ATP pour regarder leur classement. Parce qu'il y a le classement ATP qui sort tous les lundis matins. 52 semaines par an, pendant 20 ans, plus de 1000 semaines, je suis allé tac sur mon ordinateur. 1000 semaines. Et vérifier mon classement. Attends, c'est dans le moment où vous dites 1000 semaines, ça me fait penser à un truc fou, vous allez me confirmer si c'est vrai. Regardez ce garçon qui a l'air extrêmement sympathique, et c'est un psychopathe, puisque on m'a dit ouais. Que vous faisiez des fiches sur tous vos adversaires. Quel genre de fiches vous faisiez? Je voyageais toujours avec mon ordi et mon tableau Excel. J'avais 4 colonnes. La colonne avec le nom du joueur, une colonne avec ses points faibles, une colonne avec ses points forts, et une grande colonne avec la tactique à adopter. Incroyable. Et après chaque match, mon tableau Excel était remis à jour. Votre meilleure place au classement ATP dans votre vie, ouais, ça a été 17e mondial en simple et 5e en double. Voilà, et puis j'ai surtout sur ma grande fierté, c'est d'avoir été au niveau pendant 21 ans. Et en 2009, vous dites adieu à la compétition. C'est une décision qui est difficile à prendre? Non. Non, parce qu'elle était, comme chaque décision dans ma vie ou dans ma carrière, longuement réfléchie. C'est-à-dire qu'il y a trois, quand on est sportif de haut niveau, il y a trois manières de mettre un terme à sa carrière. Soit vous êtes blessé en permanence et un jour vous êtes sur votre lit d'hôpital après une 1e opération et le docteur vous dit ouais, stop. C'est terminé, tu ne retrouveras jamais haut niveau. Donc ça, c'est très dur à avaler parce qu'on ne le décide pas. Soit vous êtes 20e mondial, puis vous 50e, puis 100e, puis 200e. Ouais. Et là, à un moment donné, vous n'avez plus de boulot. C'est le milieu qui vous met dehors. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que vous pouvez l'imaginer dans vos domaines respectifs. C'est quand c'est le milieu qui vous met dehors, pour l'ego, ce n'est pas facile à vivre. Mmh. Et la troisième manière d'arrêter, c'est celle que j'ai choisie, de me dire, j'ai 37 ans, c'est déjà un âge avancé pour un tennisman. Je ne suis pas blessé, je suis en bonne santé, je suis toujours 50e mondial. Mais avant d'être sur mon lit d'hôpital ou avant qu'on me foute dehors, c'est au revoir les gars, merci beaucoup, je me suis régalé et je vais changer de vie. En 2009, donc, vous décidez d'arrêter. C'est votre choix, c'est effectivement une page d'une existence qui se tourne, donc c'est forcément émouvant. On regarde quelques images. Aïe. Donc aujourd'hui, l'heure est venue de tourner cette belle page. J'ai attrapé ma raquette à deux mains, à l'âge de 6 ans et demi. Et je crois que 30 ans plus tard, l'heure est venue de la ranger. Voilà, encore une fois, un grand merci à vous. Cette fois, je ne peux pas vous dire à l'année prochaine, mais je ne vous oublierai jamais. Vous allez me manquer. Oh là là. Hein? Ça fait bizarre. Plein de surprises, tout ça. Hein? Cette émotion vous surprend?
Enfin, c'est normal que j'ai ressenti autant d'émotions. Oui. Parce que c'était 30 ans de ma vie. C'est plus qu'une carrière, je trouve, de sportive ou une carrière de tennisman, c'est un chemin de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, sans ce parcours-là, je serais une personne totalement différente. Et je suis prêt. C'est une expérience de vie inestimable. Ouais, j'ai l'impression d'être armé maintenant pour commencer une vie normale, quoi. Parce que c'était pas une vie normale, mais c'était un... Ça m'a armé pour la suite, ouais. Moi, j'espère que Cyril Lignac, il lui reste un peu d'énergie pour faire le pain perdu. Il y a l'invité surprise qui va arriver dans pas longtemps, hein. Ah mince. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? T'es trompé peut-être? C'est... Ah oui, ah, mais non! Et après, on est là. Oui, c'est très bon! Du beurre et du sucre, hein? C'est pas du tout calorique, c'est ça qui est bien. Ah, on a dit que c'était un souvenir d'enfance. Oh la vache. Donc, le pain, c'est du pain ou c'est d'abrioche, hein? Donc la bonne cuisine est forcément riche. Bah, le gras, c'est le goût, quoi. C'est bon, hein? Ouais. Non, mais au moins, c'est franc. Mais non, c'est une blague. J'ai ma ceinture, là, qui est plus serrée que quand je suis arrivé, c'est normal. Non, mais toi, t'es un psycho. Ça va, y a rien. Là, ce que tu vois, ouais, c'est rien. On se régale d'avance, quand même. Hein. Oh là 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 là. C'est-à-dire que... Rappelez-vous déjà de notre réaction quand on a dit, quand il a dit pain perdu, ce matin sur le ponton, on a fait. Alors ? Ça sent le beurre. Ça sent le beurre. Je sais rien de le dire. C'est vrai ? Non, ouais, ça sent le beurre. Franchement, c'est bon. C'est vraiment incroyable. C'est la sucrerie réconfortante. Ah, vous n'avez pas le temps ? Non, vous êtes moi de vous déranger. Oh, non, c'est pas... Bonjour. Bonjour, David. Enchanté. Vous êtes l'invité surprise, on parle de vous depuis ce matin. Bonjour. Mais énorme. Salut. Ah, c'est un copain de Fabrice. Ah, c'est le plus vieux copain, c'est comme le frère. Ah bon. C'est vous. 20 ans qu'on est potes. C'est vrai? Ouais, 20 ans. 20 ans. On a fêté nos 20 ans. Présentez-nous. Bah, David, ouais, bah, je vous parlais tout à l'heure de mon anniversaire où je voulais pas fêter le soir de mes 20 ans. Ouais. Et qui m'a forcé à... Toi, t'es musicien. Moi, je suis compositeur de musique, ouais. Mais oui. Chanteur. Moi, j'étais chanteur quand j'étais petit. C'est... Avec un autre... Il y a le droit d'en parler. Bien sûr. David et Jonathan. Ah. Je ne suis que David. Donc, David Gattegno. David Gattegno. Et donc, vous êtes compositeur aussi. Ouais. Parce que c'est ça que je ne vois pas bien le rapport. Parce que là, donc, moi non plus, on vient de passer une journée avec lui. Ouais, et donc, David, compositeur, vous avez composé pour Céline Dion. Oui. Nolwenn, Natacha Saint-Pierre. Et Fabrice Santoro, c'est votre meilleur ami. Ah, oui. Qu'est-ce qui nous a rapprochés? Mais oui, quand, comment? Ça va être très simple, je vous expliquer. Quel âge? Septembre 92. 12. Ouais. On a un ami commun, qui est donc Patrick Bruel. Et Patrick me dit, j'ai un copain à moi qui joue au tennis et il voudra à tout prix jouer avec toi parce qu'il est sûr de te prendre un jeu. Mais non. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et donc voilà, je suis arrivé sur le court et je lui dis, enfin on a fait des balles comme au ça. Au bout de 3 minutes, il me dit c'est bon, on fait un match, je sers. Je dis mais c'est quand même pour un chanteur, il a une belle confiance le gars. Et ben, je te laisse raconter la suite. Hein. Bah j'ai pris 6-0 en 14 minutes. Il me dit j'arrête. Il jette sa raquette, il dit c'est bon. Alors, j'arrête. Je dis bon, il a pas le niveau. Mais l'écart est surtout physique, en fait. Mais vous lui avez jamais écrit une chanson? Il m'a écrit une sublime chanson, voilà. Difficile d'en dire plus. Cette c'est, chanson. C'est une chanson que quand j'ai entendue la première fois. Premier couplet, j'ai pleuré. Voilà. Ah merde. Bah moi, j'ai trop envie de l'entendre. Pas pour vous voir pleurer, mais pour savoir ce que c'est une chanson pour un ami, quoi. Et c'est un piano, là. Bah oui, un piano. On vous laisse aller au piano. Il faut que je me rappelle des allez-y, accords, allez-y. Mais... Oh là là. Quelle pression! C'est énorme, hein? C'est classe de jouer le piano. On dirait pas, t'en as pas l'air. Mais t'as quand même 20 ans de carrière. 20 Roland-Garros derrière toi, des matchs qui durent 6h33, recordman du monde des grands chelems. Cette année ton 65e, 69e même. Faudrait un jour que
tu t'arrêtes, faudrait penser à ta retraite. Magic Fabrice, tu seras encore avec nous demain. Magic Fabrice, tu nous as tous rendus fous, c'est certain. Magic Fabrice, avec ton revers, ton coup droit, à demain, à demain, à demain. On n'oubliera jamais le magicien. Ça me rappelle plein de choses, tout ça. Plein de choses. Voilà. Le cadeau d'un pote. Magic Fabrice. Magic Fabrice. Can I call you Magic Fabrice? You can call me anytime. Hello. Salut. Hein? T'allais courir ou pas? Non, pas encore. Tu m'attends? Je suis reposé, ouais, je t'attends. Vous êtes réveillé pour les croissants? Ouais. Mais c'est quoi? J'ai été réveillé par l'odeur des croissants. Ça sent bon dans la maison, hein? Vite. Ça sent trop bon. Voilà. Qui c'est qui veut du café? Mathilde. Non, merci, moi je veux du thé. Tu veux du café? Oh là là. Regarde, regarde. Wow. La beauté du truc, quoi. Mais vous avez bien dormi tous? Ah, moi, vous avez des têtes reposées. Putain, Mathilda, bien dormi? Alors, pas du tout. Comment ça puisque se fait j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une coquillette qui me noyait dans le beurre. Donc... Et vous, vous êtes malade alors? Ouais. Quand parce que vous avez, peur qu'il... vous avez peur qu'il décède en fait, pendant qu'il tousse. J'ai cru que c'était sa voix normale, mais il m'a dit que non. Parce que vous, vous avez eu peur qu'il meure pendant qu'il tousse. Qu'il décède pendant la toux. Genre quoi? Parce que moi, je fais ça avec des copains. Je fais le décès pendant la toux. C'est-à-dire, t'es normal. C'est-à-dire, t'es normal, t'es comme ça, t'es en train de tousser. Donc tu... C'est bien ça. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a version avec bras en l'air aussi, qui est pas mal. Qui fait... Attention au café. Qu'est-ce que la vie vous a appris, donc votre existence sur cette planète depuis 35 ans, alors, que vous avez envie de transmettre à vos enfants, par exemple? On veut le meilleur pour ses enfants. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre? Je veux dire, moi, j'ai envie de dire, peu importe d'où l'on part, moi, je cherche sans cesse chercher à m'améliorer, à devenir meilleur joueur, essayer de devenir une meilleure personne. Et voilà, je me suis dit, de toute façon... on peut pas tous être le meilleur, mais il faut au moins essayer d'être le meilleur possible. Ouais. Et je dis, ouais, je dis même, le minimum, c'est de faire le maximum, quoi, tu vois. Ouh, allez, bon, ça. Hey, ça, je vais rentrer à la cuisine et je vais dire, les gars, le minimum, c'est de faire le maximum. C'est compris. Tu vas avoir une pression, les gars. Et c'est génial, ça. Le minimum, c'est de faire le maximum. Vous n'avez pas encore d'enfants, mais vous transmettez à longueur de temps, en fait, à tous les jeunes que vous faites travailler, etc. Alors ça, c'est professionnel, mais est-ce que l'existence vous a appris? Qu'est-ce que vous aimez transmettre? Je sais pas, j'ai pas la même responsabilité, forcément, puisque j'ai pas d'enfant. Donc, je suis pas passé à ce cap-là. Et j'ai hâte aussi, parce que je... T'as hâte de fonder une famille? Ouais. J'ai abouti pas mal de ce que je voulais faire. Maintenant, dans les années qui vont arriver, je voudrais passer à autre chose, tout en continuant à travailler, mais à plus penser qu'à mon travail et à pouvoir partager autre chose. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que c'est chaque chose en son temps aussi. Donc je trouve que la vie, elle est bien faite. Pour moi, transmettre, c'est essentiel. Ah ouais. On m'a donné ma chance, on m'a donné la vie, donc j'ai envie de transmettre aussi. Et moi, j'ai un exemple très simple, c'est qu'en mars 2000, je suis pas encore papa, et je prends un avion entre Los Angeles et Miami pour aller sur un tournoi. Et au décollage, j'ai un réacteur qui prend feu. Donc ça crie, ça hurle, on fait demi-tour comme ça, on se pose en urgence, les pompiers sur la piste, enfin, on n'est pas passé loin. Et ce jour-là, je me suis dit, mais si on s'était scratché, mais elle n'avait aucun sens, ma vie. Ok, j'étais un bon joueur de tennis, moi j'avais 27 ans, mais là, je crois que c'est le moment de transmettre, de donner la vie. Et ben, un an plus tard, il y avait ma fille arrivée dans ce monde. Avec l'hôtesse. Comment? Dans une situation d'urgence. Est-ce que vous avez un regret dans votre vie? Moi, j'en ai plein. Plein? Ouais.
Ouais, notamment celui de ne pas avoir fait Marche à l'ombre, qui est un film qui avait été écrit pour moi par Michel Blanc. Et là, c'était le rôle d'une danseuse, donc j'aurais eu quelque chose, une trace de moi comme danseuse, et malheureusement, voilà, j'ai pas de film. Vraiment. Et là, vous l'avez refusé pourquoi à l'époque ? Parce que je tournais ce film américain, donc sans costume et sans dialogue. Le second, donc, c'est ça ? On t'a regardé le DVD hier soir. C'est pour ça que vous êtes couché tard. Ce qui est bon, c'est que t'as retenu que c'était le deuxième film. Moi, j'ai une super mémoire. C'est vrai qu'au cas où il oublierait le titre, dans la filmo, il sait que c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et c'est un film anglais. Film anglais. Ouais, mais ça, on le sait pas, puisque je ne parle pas. Mathilda, après ce que vous avez vécu, où on sent que c'est une libération quasiment, une naissance à l'écriture, et donc là, vous êtes en train d'écrire de nouvelles choses ? Oui, j'ai écrit un spectacle que je vais mettre en scène, dans lequel je ne jouerai pas cette fois-ci. Mais c'est une continuité logique, hein. J'ai commencé une sorte de mouvement. C'est que auteur ? Auteur et metteur en scène, ouais. Magnifique. Et vous, alors vous n'arrêtez pas, c'est vrai que là, il y a deux livres qui sortent en même temps ? Un livre pour les enfants ? C'est quel âge ? Là, c'est 6-10 ans, 12 ans. Oui. C'est pour les enfants, ça s'appelle Les Petits Chefs. D'accord. Et ensuite, il y a un livre sur les recettes de mon bistrot. Qu'est-ce qu'on fait à 10 ans comme recette ? Je ne me rends pas compte. Des coquillettes aux truffes ? Mais des petites coquillettes, mais pas forcément aux truffes. Des quiches, des tartes. Ah bah oui, j'ai 45 ans, je ne sais pas faire de quiches. Ouais. Des courgettes à l'huile de vanille pour faire manger les légumes aux enfants, pour apporter un peu de douceur. Et vous, depuis l'arrêt de la compétition ? Vous n'arrêtez pas. Vous êtes commentateur de matchs sportifs en Angleterre. Oui. Ah bon ? C'est ça ? Oui, je... Do you speak English with a bit, just a bit. Oh, right. Oui, je commente notamment Roland Garros en anglais sur ITV. Really ? Oui, je l'ai fait l'année dernière, je le refais tout en anglais. Ah, c'est beau, ça. C'est assez simple en plateau. C'est plus compliqué en cabine avec le casque, parce que là, quand on doit... Réagir à chaud, comme ça, dans la demi-seconde, c'est pas ma langue maternelle. Quand pendant 15 jours, je dis « what a shot ». Ça veut dire quoi ? Quel coup, quel beau coup. What nice shot. Et puis, je fais pas mal de matchs exhibitions à travers le monde. Enfin, pas mal d'activités. Mais j'ai besoin d'avoir des projets et j'espère que j'aurai encore plus de boulot dans les mois et les années à venir. J'ai besoin d'avoir une vie remplie. Oui, c'est ça. Non, mais la retraite, c'est... J'adore dire ça. Quand quelqu'un, je croise quelqu'un dans la rue... qui me dit « Alors, monsieur Santoro, ça va la retraite ?» J'adore. Je vais comme ça. Je dis « Attendez, monsieur, c'est une retraite sportive, je suis hyper actif. Ouais, j'ai ça, je commence à vivre, j'ai plein de projets. » Bon, bah, je vous laisse repartir vers la barque, mais auparavant, il y a une petite... On ne va pas partir. Non, mais je... Vous partez pas. Question. Non, enfin, moi, j'ai pas du tout prévu partir. De partir. Hein. Là, vous restez. Ah, bah, moi, je reste le week-end. J'ai jamais été confronté à ça, là. Non, mais qu'est-ce que je peux... Trop facile. Côté « Ah, on vous accueille, puis après, on se débarrasse. » On se débarrasse. Non, je suis désolée. Tu veux qu'on signe quoi ? Venez voir. Vas-y. Oh, c'est chouette. Quelle belle équipe, cette brochette. Quelle belle équipe, quel beau moment. Regarde, est-ce que tu es des visages épanouis ? Allez, je vous laisse avec un petit mot. Vas-y, à toi l'honneur. Non, non. Ah non, à moi ? Non. Bah si. Je peux m'inspirer de personne, alors je vais me mettre là-haut. Cherche inspiration. Vas-y, promets, fais quelque chose et je vais réfléchir pendant ce temps-là. There's a crack in your gaze. Signé. Les plaisirs les plus simples sont toujours les meilleurs. Oui. Merci. Eh bien, merci. Revenir au plaisir simple de juste se retrouver tous autour d'une table et de s'écouter. Discuter, partager, rigoler. Plaisir simple. Faire une partie de tennis. En toute simplicité avec un champion international. Très simple. Merci pour cette parenthèse inoubliable. C'était vraiment un grand plaisir d'être ici. Oh, un câlin. Oh, il y a eu un câlin. Merci. Quel un collectif. Belle équipe, belle brochette. Des échanges affectueux, bienveillants, de vraies rencontres, quoi. Voilà, merci. Merci. Voilà. Merci. Oh, c'était bien. Hein ? Ils sont sympas. C'est des bons gars. C'était vraiment chouette. C'est des bons gars.
C'est bien, c'est chouette gars. Ouais. Non, c'est bien, j'ai eu de la chance. Merci. Je suis bien tombée, ça aurait pu être une catastrophe. Waouh, l'eau a monté, hein. Merci de ton accueil. C'était cool. C'est un vrai plaisir. Ouais. Un vrai bonheur d'être là, merci. Ouais. Merci pour tout. Oh, calme. Oh, quand même, merde. Merci pour tout. Oh, c'était super. Merci, merci. Merci, hein. Merci. Merci, Cyril. Merci pour tout. Enfin, calme. Enfin, calme, pépère. C'était vraiment bien. Enfin, calme, pépère. Vraiment. Allez, monte. Attends. Monte là. Je me mets là. Ouais. Hop là. Allez. Allez, il y a du courant, attention, il y a beaucoup de courant. Hop, c'est parti. Allez, ram, 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 ram. Allez, les gars. Il y a du courant, allez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez. Non, 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 Cyril, tu fais du courant. Voilà, voilà, ah, merde, arrière. Non, en arrière. Mais non, qu'est-ce que tu fais, Fabrice? Fabrice, c'est à toi, voilà. C'est à toi de ramer, Fabrice. Vas-y, ram, ram. Attends, attends. Vas-y, non, mais attendez, ram, là. Fabrice. Oui, Mathilde, là. Ram. Attends. Attends, vas-y. Non, je peux pas. C'est pas vrai, mais tu... Non, attends, toi. Attends, attends, attends. Mais c'est vous, trop tard. Cyril. Voilà. Attention. Non. Attention, c'est bientôt là-bas. Allez, hop, vas-y, c'est bon. Voilà. Magnifique. On y est. On y est, on y est pas tant que ça, hein. Vas-y. Allez-y, tac, c'est bon. Vas-y, t'arrêtes vas-y, pas. Vas-y, t'arrêtes pas. Avec... Doucement, quand vous mettez les rames dans l'eau. C'est quoi, j'ai envie d'essayer. Allez-y, allez-y. Non, non, j'essaye. Non, pas vrai. T'es bon, on est parti. À moi. Et dès que si Mathilde là y arrive, on passe vraiment pour les truffes là. Attends, mais on est ridicule. Allez, vous me mettez sur le cul rousse. Oui. Attends. Vas-y. Voilà. Ouais, c'est très bien. Salut. Non, mais derrière chaque grand homme se cache une femme. Bravo, c'est Mathilde. Tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, mais là, t'es incroyable, chérie. A bientôt, merci. Salut. Merci. Salut. Non, mais Mathilda, t'es incroyable. Attends, mais ouais. vous m'avez fait rire quand même. C'est drôle parce qu'hier, quand je suis parti de chez moi, j'étais à la fois excité de venir dans cette maison de campagne, mais il y avait un petit peu d'inquiétude quand même. J'ai évidemment beaucoup trop mangé, donc je suis une motte de beurre, à moi toute seule. Quel week-end, je me suis régalé, mais je pense que les coquillettes leur ont plu. Je pense aussi que la prochaine fois, je mettrai plus de beurre. En tout cas, je reviens, mais je sais même pas si j'ai envie de partir d'ailleurs, parce qu'on est bien dans cette maison, on se sent bien. On s'est régalé, on s'est bien senti ensemble. Il y a eu plein d'échanges que je n'oublierai pas. Il est sympa ce Frédéric Lopez quand même.